Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission où tout le monde parle. Avec nous ce soir, Monica Bellucci et Frédéric Schoendorfer, George Michael, Fabrice Tiozzo, Virginie Desarnaud, Marie-Ange Nardi, Dominique Dessaigne, Titoff, Djibril Cissé, Alain Minc, Touria Tchouli, le blind test de DJ Jairo, et l'inégalable Laurent Baffy. Alors, je voudrais dire, avant de commencer l'émission, que le numéro donné par Coralie la semaine dernière, Coralie de L5, comme étant le sien, en fait, est un faux numéro. Donc, il y a une personne qui a été appelée comme ça pendant 48 heures, qu'elle veuille bien nous excuser. Et quant à toi, Coralie, ben, on attend toujours ton vrai numéro de portable. Et puis, j'aimerais bien avoir aussi celui de Lydie, L-Y-D-Y. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Catherine ? Il y a Catherine qui demande à... cette veste, oui, effectivement, j'imagine que Catherine n'est pas la seule à se poser des questions. J'imagine que tous nos amis téléspectateurs se posent des questions. C'est quoi cette veste, alors? Eh bien, j'ai croisé Momo dans les couloirs. D'accord. Je lui ai emprunté sa veste. Et les gens savent tellement qu'il s'habille n'importe comment. Je suis arrivé comme ça dans les coulisses et quelqu'un m'a dit « Ah, Momo est là ». Ce qu'il faut dire à nos amis, c'est que Momo est un assistant de la société de production. Un obscur à 100 grades. Ah, pas du tout, non, non, là, Momo. T'en fais pas pour Momo, tout va bien pour lui. Je peux la retirer quand même? C'était juste pour faire l'entrée. Ah non. Ah bah non, Laurent, ça non, mais je l'assume pas du tout, ça m'a fait rire pour faire le gag. Mais nous aussi, ça nous fait rire. Ça va, mon Lolo? Ça va très bien. Bon. J'aurai une statue à vendre pendant l'émission. Ah ben ça y est, oui. Oui, d'accord, oui. Hein? On fait des ventes toutes les semaines, voilà, maintenant. Là, ce sera une vente pour l'abbé Pierre. J'ai hérité de la statue. Si donc, c'est pour... pour Emmaüs France. D'accord, oui. Voilà, donc quand t'es prêt, quand t'as envie de faire une vente, tu me le diras. On d'accord, il n'y aura pas qu'en être de Saint-Cyr aujourd'hui. Hein. Non, mais on sait le faire, hein, c'est pas très dur. Hein. Ouais. Et maintenant, j'accueille Monica Bellucci et Frédéric Schoendorfer. Eh oui, Monica Bellucci, Frédéric Schoendorfer, le réalisateur du film. Le fils de Pierre Schoendorfer. Voilà. Non, bonsoir. Il n'y a pas de confusion. Monica. Monica. Frédéric. Frédéric. Oui, parce bien que... sûr. Monica, bonsoir. Alors, j'ai lu dans une interview que votre couleur préférée, c'était le noir. Donc, je me suis habillé en noir uniquement pour vous ce soir. Oh, merci. C'est la première c'est fois. Mais je savais que ça vous ferait plaisir et que ça vous toucherait. Frédéric, bonsoir. Donc, bonsoir. Comme je l'ai dit, vous êtes le fils de Pierre Schoendorfer, fameux réalisateur et écrivain, qui a fait Le Crabe Tambour, la 317e section. Et vous sortez votre deuxième film après Scène de crime en 1999. Ça s'appelle Agent secret. Ça sort le 31 mars avec Monica Bellucci. Oui, rebonsoir. Je n'ai pas arrêté de vous dire bonsoir et de vous regarder avec des yeux enamourés ce soir. Donc voilà. Vincent Cassel. Je ne sais pas qui c'est. Là, je dois dire Vincent Cassel. Tu vois qui ? Vincent Cassel. Vincent Cassel. Ils vous font des prix, les deux, quand vous les prenez, Cassel, Bellucci, ça coûte moins cher de les prendre Voilà, oui, oui, absolument. Non, oui. Non, non, pas du tout. Non. Ah bon, c'est pas moins cher. André Dussolier, qui jouait déjà dans Scène de crime, comme Charles Berling, d'ailleurs, qui est dans ce film-là et qui était déjà dans Scène de crime. Voilà. Il y a aussi Bruno Todeschini, Gabriel Lazur et Ludovic Schoendorfer. Vous travaillez en famille, vous, hein? Oui. C'est votre frère? Absolument, mon petit qui frère. Est co-scénariste. Et acteur. Voilà. Et puis il y a aussi vos enfants qui jouent dans le film, non, au début? Oui. Absolument, les deux petits-enfants, c'est mes enfants. Comme Monica et Babysitter. Voilà, ouais. Pas mal. Vous êtes formidable, Babysitter. Voilà, alors Agent secret, donc c'est un polar, un film de genre, qui montre le quotidien des agents secrets, comme vous aviez montré le quotidien des flics dans Scène de crime.
C'est plus un vécu ordinaire que très spectaculaire, Frédéric, non? Bah, je pense que c'est quand même un film d'action pour adultes. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Mmh. Je pense qu'il y a quand même des scènes assez, assez spectaculaires. On est dans les airs, on est sous l'eau, il y a quelques cascades. Mais effectivement, c'est plutôt l'aspect humain de ces personnages qui m'intéresse. C'est-à-dire des personnages au bord du précipice, qui sont des gens comme nous, et de les voir très, très proches, et voir un peu comment l'être humain se comporte. À ce moment-là, voilà. C'est un peu ça l'idée. Alors ce qu'on découvre dans ce film, parce que c'est la réalité, quoi, c'est qu'en fait les agents secrets sont toujours entre la légalité et l'illégalité, et ils commettent au nom de la loi des actes illégaux, en fait, c'est ça. Et... Oui. Ouais. C'est le principe un peu des services secrets. C'est le principe, mais là, quand c'est Monica qui se retrouve dans cette situation, évidemment on s'y intéresse, on s'y attache, c'est normal. Comment ça va? Très bien. Vous êtes bien là? Absolument bien. Vous êtes magnifique, vraiment. Oui, merci. Ah, ouais, vraiment. Alors le pitch, bah, c'est simple, ça commence comme le Rainbow Warrior, hein. Monica c'est un petit peu Dominique Prieur, Vincent c'est un peu Alain Maffard. Les fausses époux Turange, voilà, eux deux, ils font le couple exactement, Laurent. Donc ils ont comme mission de faire sauter un bateau à Casablanca. C'est voulu Casablanca, les espions, Casablanca, comme ça, c'est une citation, non, Frédéric? C'est assez marrant en fait, au départ je devais tourner en Turquie, et à cause de la guerre en Irak, les assurances ne couvraient plus, donc on s'est retourné au milieu du tournage à Casablanca. Et je suis assez content en fait, parce que c'est une très très belle ville, c'est un peu le New York du Maghreb, et donc finalement c'est pas mal. Alors voilà, au début donc tout va bien, ils font sauter ce bateau, ça on peut le dire, mais le problème, et là je raconterai pas la suite évidemment, c'est quand Monica, vous rentrez en Suisse après le sabotage de ce bateau qui transporte des armes, vous faites arrêter à la douane avec 150 grammes d'héroïne, et il faut dire que vous aviez un petit peu annoncé la direction, votre intention de partir, voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un vrai thriller, c'est-à-dire qu'à partir de là, bon au début il y a l'action effectivement, et puis à partir de là on est complètement angoissé par le sort de Monica. De Monica. Je suis très protégée ce soir. Ah ouais, là vous êtes en sécurité. Je crois que vous avez rarement été... Par rapport au film, ce sera plus détendu. Rarement été aussi en sécurité que ce soir. Incroyable. Vincent m'a dit, tu t'occupes d'elle. Moi, vous savez, je suis un garçon fidèle, loyal. Il a pas dit, moi, je la supporte plus. Non, il a pas dit ça. Voilà. Alors, Monica, vous allez faire un truc. Vous allez regarder votre caméra, s'il vous plaît. Et vous dites simplement, Magnéto Serge. En faisant voler votre truc. Non, je peux pas. La caméra... Là, votre caméra avec celle qui a le rouge. Et vous dites, Magnéto Serge. Magnéto Serge. La mission qui nous réunit aujourd'hui a pour nom de code Janus. Un de nos agents à Genève travaille déjà sur cette affaire. Dis donc, c'est nouveau, ça. J'en ai marre de tout ça. Mentir à mes parents, mes amis. De toute façon, j'en ai pas. Vous pouvez nous suivre, s'il vous plaît. T'as des amis, toi, des vrais, qui ne sont pas dans la maison. Mais des morts et tout, j'arrête. Fais pas ça, ils vont te casser les reins. Et s'ils refusent de collaborer? On ne lui demande pas de collaborer, on lui demande d'obéir. Je vais direct. C'est toi qui as piégé Lisa. La drogue dans ma valise, c'est la maison. Tu connais la loi, le secret. Il ne s'agit pas d'émotion ici, il s'agit d'affaires. T'attendais à quoi, mon ami? Tu passes ta vie à baiser les autres, et quand ça t'arrive, tu dis pouce, ça ne joue plus. Tu n'auras pas dû venir, je suis coincée. Vous savez ce qui peut arriver à ceux qui transgressent les règles de la maison? Ne me menacez pas. Moi aussi, je me demande si ce que je fais a un sens. Il y a une chose dont je suis sûr. J'aurais pas voulu vivre autrement, pour rien au monde. Voilà, Agent secret de Frédéric Schoendorfer, avec Vincent Cassel et Monica Bellucci, qui est notre invitée ce soir. Carte de bonne cliente. Ah ça, c'est génial. Grâce à ça, Monica, vous revenez quand vous voulez. Ah bon? Même si vous n'avez pas de film à vendre, vous passez je boire un coup. Je peux venir comme ça quand je veux. Comme ça, quand vous voulez, si un soir vous ne savez pas quoi faire. Non mais c'est vrai que vous êtes dans ce film complètement normal, quoi, avec des jeans, des baskets, les cheveux coupés courts, pas très bien coupés en plus.
Donc c'est vraiment difficile pour vous de faire ça, non? Non, c'était pas difficile. C'était justement intéressant d'échanger des personnages. Parce que c'est vrai que moi, même si je fais des rôles forts, on partait toujours du fait que les personnages avaient un certain physique. Et là, c'est complètement différent. Là, vous jouez pas sur la séduction. Enfin, moins que d'habitude, disons. Beaucoup moins que d'habitude. Ouais, ouais. C'est pas les charmes, c'est pas la séduction, justement. Mais c'est une femme avec un physique banal, mais qui a une démarche assez exceptionnelle. Ouais. Ah oui. Alors, on est loin du fantasme, là, quand même. Vous êtes... Mais c'est fait exprès. Frédéric, il a une manière de tourner qui est assez documentariste. Ah oui, c'est un chirurgien, c'est un scalpel. Hein. Tout est très essentiel. Du coup, même les jeux qui viennent de ces acteurs, c'est justement sur la retenue. C'est une certaine pudeur, même, dans les jeux. Et je crois que malgré ça, quand même, toutes les émotions passent. Mmh, tout à fait. Alors voilà, donc c'est votre 8e film avec Vincent Cassel. Hein. C'est le premier où il ne se passe rien entre vous. Hein. Vous êtes un faux couple pour de vrai, donc il y a quelque chose, mais voilà, il n'y a pas de conclusion. Et vous dites souvent, quand on vous pose la question, mais travailler avec Vincent, ça nous permet de nous voir davantage. Voilà, donc c'est, vous joignez l'utile à l'agréable. Il est où là? Il est au Brésil là? Non, il est à Paris. Il est à Paris? Il est à Paris. Non, mais c'est vrai que nous, on voyage énormément, on ne travaille pas tout le temps ensemble et de se revoir sur les plateaux, c'est super. Mmh. Aussi parce que moi, comme je dis toujours, en face de moi, j'ai un acteur quand je joue avec lui. Ce n'est pas la personne que je connais dans la vie. Et du coup, je dois être à l'auteur. Ah oui, vous essayez de vous étonner l'un l'autre quand vous êtes... Mais c'est important de se surprendre. Je crois que c'est important de se surprendre dans la vie, dans les travails. Mmh. Je crois que c'est le secret de tout, de l'amitié, de l'amour. Là, c'est plus pour se surprendre que pour se surveiller, finalement. Alors. Ah non, mais se surveiller, je crois que c'est quelque chose d'autre. Horrible, vous croyez pas? Alors, moi, tu sais où il est quand il tourne avec toi? Oh, vous savez, on peut être là et la tête ailleurs. Hein. Voilà, voilà. Ouais. Lui, non, c'est vrai, Monica, c'est vrai qu'il est souvent au Brésil. Vous, vous êtes basée à Londres. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Vous avez de longues séparations souvent. Oui, mais hein. On s'est connus, on était déjà des acteurs. Oui. Et voilà, et notre vie a continué comme ça. Et même pire, parce que c'est vrai qu'on travaille de plus en plus. Mais je crois que c'est la vie des acteurs. Et je ne crois pas qu'il y a une logique pour qu'une couple marche. Il n'y a pas une loi. Et moi, je pense toujours que... Chaque jour en plus qui fait si que l'histoire continue est toujours un miracle. Vous ne faites pas des grands plans sur la comète. Vous dites chaque jour est un jour de gagner finalement. Vous êtes très réaliste. Mais oui, parce qu'on ne peut pas décider pour les autres. Ouais. On change, on évolue et voilà. Là. Alors, vous avez des fois de longues séparations parce qu'une fois, vous êtes séparés vous cinq... Vous êtes tout content. Que vous avez des séparations? Non, il faut tout souriant. Non, mais je suis con. Non, mais je sais, je suis con. Il est vicieux, il est méchant. Non, mais c'est vrai, une fois, vous êtes séparés pendant 5 mois. Il aime bien le malheur des autres. Sauf deux petites interruptions, mais 5... Il a lu tout, il connaît tout, mais c'est incroyable. Ah, bien sûr, sur vous, je connais tout. Non, mais 5 mois, c'est long quand même, non? 5 mois, c'est long, mais on s'est... Il m'a quand même... Je l'ai rejoint, il m'a rejoint, on s'est vu. Deux fois. Pour combien de jours? Alors, juste pour le week-end. Des fois, ça peut être même un mois à chaque fois. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est des courtes retrouvailles. Vous savez bien. Oui, mais c'est pas toutes les années comme ça, dans le sens qu'il y a des années où c'est comme ça, c'est pas tout le temps comme ça. Mais ça veut dire que ça marche quand même. Mais attendez, moi, ma femme n'habite pas avec moi et ça marche depuis 20 ans. Hein. Ah bon? Elle habite en Normandie. On est en train de raconter notre vie à la télé, vous vous rendez compte quand même. Oui. Alors, vous êtes jalouse? Non. Un peu bien quand sûr. Même. Bien sûr, je suis italienne, c'est normal. Si vous trompe, est-ce que vous le tuez, par exemple? Voilà une question. Bah oui, je pourrais, bien sûr. Ah ouais, pourriez le tuer? Je pourrais le tuer. Mmh. J'aime les femmes qui sont capables de tuer par amour. Mais il n'y en a plus, il n'y en a plus. Vous n'avez pas peur qu'il tombe amoureux d'une partenaire, non, sérieux? Bien sûr que j'ai peur, mais c'est normal. Oh là là. Il s'est trouvé avec de très belles femmes sur les plateaux, même dehors du plateau. Mais je crois que ça fait partie du risque, non? Ah. Vous dites que vous êtes acteurs tous les deux. Donc il peut se retrouver nu, mettons, dans un film. S'il se retrouve nu dans un film, est-ce que vous lui interdirez ou est-ce que vous lui trouverez ça bien? Vous réagiriez comment? Mais non, mais moi, quand je le vois dans un film nu, je regarde s'il n'y a pas de ventre, s'il n'y a pas grossi. Ouais. Non, je rigole. Même s'il bande? Ça veut dire qu'il est en train de bien jouer. Voilà. Il est dans son personnage. Voilà. Enfin, il est dans un premier temps. Il est en train de faire le bien. Quand vous êtes avec lui comme ça, comme c'est un très bon comédien, vous voyez quand il vous parle, s'il joue la comédie ou si... Moi, vraiment, je crois que Vincent, c'est un comédien qui a énormément de talent, dans le sens que
il peut tout faire. Mmh. C'est vrai qu'il fait un homme sexuel dans Elizabeth et il est super. Il fait un homme de la rue dans Sur mes lèvres et on y croit. Très bien. Il fait l'aristocrate dans Le Pacte des loups, L'agent secret, on y croit. Voilà, du coup, c'est un acteur qui est très, très éclectique. Je ne devrais pas dire ça, mais là, je suis objectif. Tout à fait. Mais il a de la chance, ce Vincent Cassel, parce qu'en fait, vous êtes une telle star, une telle icône, que je suis sûr que les mecs n'osent pas vous draguer. Je suis sûr que vous leur faites peur aux mecs, non? Il dit quoi? Non? J'ai peur. Non, je crois pas. Non? Vous croyez que je fais peur aux mecs? Moi, je suis pas du tout dangereuse, je suis assez douce. Ouais. Du coup, j'y crois. C'est une espèce de déesse intouchable à laquelle on n'ose que demander des autographes. Non, je sais pas. Non. Je sais pas l'image que je projette. Je crois pas qu'on sait ce qu'on projette. Moi, je fais mon métier. C'est vrai que peut-être que l'image glacée des photos, des couvertures peut donner une image qui peut être plus froide, mais moi, je crois pas d'être froide dans la vie. Alors, vous aimez en fait être une vraie femme, vous. Et c'est ça que je trouve remarquable, parce que vous le dites. Et aujourd'hui, souvent, les filles, les actrices le disent pas. Vous dites, à quoi bon mettre des belles robes avec des tas de boutons derrière s'il n'y a pas une main virile pour les déboutonner? Oh, là, vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait écrit ça. Moi, j'ai jamais dit ça. Ah bon? Il y a des boutons derrière, il faut voir un diamant. C'était dans Canoë. C'est quoi? Ah, c'est un journal, vous avez donné une interview, Canoë. Vous n'avez jamais dit ça? Non. Je trouvais ça pas mal pourtant. Il a couvé le journal. Mais, d'ailleurs, c'est pas mal, mais c'est le journaliste qui l'a dit, pas moi. Ah bon? Mais d'ailleurs, il a raison. Non, parce que vous dites aussi, dans la série J'aime être une femme et que les hommes soient des hommes, c'est leur sauvagerie. Oh là là. Ah non, je t'ai dit ça dans Planche à voile magazine. C'est incroyable. C'est leur sauvagerie, leur bestialité, leur brutalité. Non. Qui fait que nous sommes attirés par eux. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il a rêvé, ce mec. Ah, c'est vrai. C'est une femme ou une fille? C'est une fille. C'est une fille qui vous aimez bien être interviewée par des filles, vous dites d'ailleurs. Moi, j'adore les filles, mais là je crois qu'elle a rêvé quelque chose et le jour après, elle a écrit l'interview. Mais alors, est-ce que pour vous, quand même, ça, vous l'avez bien dit à un moment, est-ce que pour vous, la peur de l'acte sexuel ne va pas de pair avec l'érotisme? Oui. Vous êtes quand même fasciné par le tableau de Picasso, la Dora Maar, quand même, et le Minotaure, c'est oui, vrai. Oui, bien sûr, mais. C'est un fantasme quand même. Ouais. C'est une fantasme. Mais c'est pas mal d'être une vraie femme, moi, je trouve. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on aime un homme qui est brutal ou qui est macho. Moi, je n'aime pas ça. Ah bon? J'aime quand même un homme qui soit doux, qui respecte les femmes. En tous les cas, vous êtes une vraie femme. Vous n'êtes pas une italienne d'opérette, puisque vous êtes bientôt mama. Oui. Et voilà. Bientôt, pas bientôt, à mais... À l'automne. Mais c'est incroyable, hein. Incroyable, vous savez plus que moi, c'est... je suis étonnée. Oui, je sais même le sexe de l'enfant, mais je le dirai pas. Oh là là, parce c'est qu'on bien a décidé... parce que je le sais pas. On a décidé, nous, avec... On a décidé avec votre toubib de vous faire la surprise. C'est un minotaure. Voilà. Non, j'ai une chanson, j'ai une chanson. Très beau. Pose bisous. Déjà? Ouais. Pose bisous. Ouais, bah voilà, ouais. Et voilà. Pose bisous. T'embrasses pas Frédéric, toi? Bon non, moi j'ai envie d'embrasser que Monica, je vais pas faire comme toi, faire semblant d'avoir envie d'embrasser Frédéric, pour après aller embrasser Monica. J'ai rien contre toi Fred, hein. C'est pas perso du tout. Hein. C'est pas ton style de mec, non, Fred? Ah je bon? Préfère Monica physiquement. Bon, ben voilà. Bien, alors, on va parler d'un autre film qui sort aussi rapidement. Là, c'est le film de Mel Gibson qui s'appelle La Passion du Christ, sur les écrans français le 31 mars. Vous jouez le rôle de Marie-Madeleine. Pour vous, c'est un personnage extraordinaire parce que vous dites que Marie-Madeleine, finalement, le seul qui la regarde comme un être humain, c'est Jésus. Et c'est ça qui vous a attiré dans le personnage? Non, ce qui m'a attiré, c'est justement le fait que c'est une femme faible, comme l'être humain. Du coup, c'est une femme qui pêche, comme moi.
comme vous, je crois. Sans doute. Comme tout le monde. Et du coup, elle me rappelle l'état humain. C'est pour ça que j'étais touchée par ce personnage. J'avais envie de l'incarner à l'écran. Et voilà, quand j'ai rencontré Mel Gibson, on s'est trouvés. Et voilà, et je me suis retrouvée dans ce film. Et c'était une belle expérience. J'étais à Rome, j'étais à Matera, sud de l'Italie. Et c'est vrai que c'est un film rude, très violent. Oui, vous dites à côté, Irréversible, c'est Bambi. Ouais. Alors que vous savez tout, c'est vrai, je dis ça. C'est vrai, je crois que c'est un film très violent, mais comme je dis toujours, je crois que la vie de Jésus est violente. Ouais. Et du coup, les films ne pouvaient pas être différents. Vous allez faire la promotion de ce film ? Je suis pas allée aux États-Unis parce que justement, comme vous savez, j'étais un bébé et du coup, je voulais pas voyager. Mais je sais depuis longtemps, voyager, moi. Je sais. J'étais le deuxième à le savoir. Alors, si mais j'ai, ouais, fait la promo pour Agent Secret. Ouais. Alors, pour faire le film La Passion du Christ, vous avez refusé un gros film américain. Vous vouliez vraiment faire le rôle. Mais ça, les films de Mel Gibson, il est vraiment comme un petit film, un petit budget, un film indépendant. Pour moi, c'était un film d'auteur de Mel Gibson. Et en effet, personne croyait à ce film, quelque part. Et mes agents me disaient, Monica, il ne faut pas le faire. Écoute, vraiment, c'est un film juste qui va créer des polémiques. Mais je ne crois pas que les gens vont voir le film. Et en effet, tout ce qui arrive à ces films, vraiment, personne ne les croyait, moi non plus. Alors pour vous, en fait, la violence qu'il y a dans ce film, c'est la violence inhérente à l'être humain. Et vous dites, quand vous avez vu le pianiste de Polanski, j'ai eu honte de faire partie du genre humain. Donc en fait, ce film, La Passion du Christ, ne fait que traduire cette violence qui nous appartient à tous. Mais moi, je crois que quand on sort du film, justement, ce qu'on sent, c'est qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec l'être humain. Pourquoi l'homme, depuis 2000 ans, n'a pas changé? Pourquoi l'homme se comporte comme ça avec l'homme? Et voilà. Et après, bien sûr, moi, je ne suis pas quelqu'un de croyante. Comme je dis toujours, je suis agnostique. Du coup, je ne vais pas parler des choses que je ne peux pas expliquer. Je ne dis pas que je suis athée, parce qu'être athée, c'est déjà prendre une position. Et je crois qu'on est trop limité pour dire « Dieu n'existe pas ». Alors, vous dites la technologie, c'est OK, il y a la télévision partout, il y a le portable, mais en fait, l'être humain n'a pas beaucoup évolué depuis l'homme de Néandertal. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est... Peut-être qu'il y a quelque chose à nous. On est quand même des bêtes. Peut-être qu'on fait partie, justement, de la nature. Et la nature, je crois que déjà, en elle, pour avoir un équilibre, elle est fondée sur la violence, dans le sens que pour exister... Un loup doit manger un agneau, un lion doit manger une gazelle. Et du coup, déjà, la nature en soi, elle n'est pas juste. Et nous, on fait partie de cette nature. Du coup, on a cette violence en nous. Et c'est pour ça aussi que moi, j'aime bien regarder ce qu'il y a derrière la façade, ce qu'il y a derrière la masque qu'on a, nous, pour nous protéger. C'est pour ça que j'ai envie de faire des films comme Agent Secret, par exemple. Des films où je dois chercher... les côtés noirs de l'être humain. C'est dans l'agent secret, vous n'êtes pas dans vos repères habituels. Mais je crois que, en effet, ce qui se passe, c'est qu'en vieillissant, on mûrit et peut-être que moi, je suis en train d'acquérir plus de sécurité et du coup, sûrement, on me propose des rôles qu'on ne me proposait pas avant. Et c'est vrai que je dois dire que quand Frédéric Schanderfer m'a proposé son film, j'étais très flattée qu'il avait pensé à moi pour un rôle comme celui-là. Oui, ce n'est pas un rôle habituel. Non. Ça vous est venu comment ? C'est pas moi qui ai l'idée, c'est le producteur. Neve, oui. Voilà. Et tout de suite, Eric m'a parlé de Monica, qu'il connaissait parce qu'il avait produit le Doberman, 6 ou 7 ans avant. Je l'ai rencontré dans un petit café à côté de chez elle, et je dois dire qu'en 10 minutes, un quart d'heure... Je te dirais. En 10 minutes, un quart d'heure, j'ai été assez... comment dire... assez fasciné par l'actrice, quoi. Ouais. Et le côté prêt à tout pour jouer. C'est-à-dire, le côté... Non, mais... Le côté une actrice qui peut aller dans toutes les directions. C'est-à-dire, à un moment donné, je lui proposais un rôle, peut-être un chemin peu emprunté, et ça l'a tout de suite beaucoup, beaucoup intéressée. Et je lui ai donné le scénario. 3 jours après, elle m'a appelé en me disant qu'elle faisait le film. Et je peux vous dire que pour un... Moi, je suis un jeune réalisateur, hein, c'est mon deuxième film, et quand vous avez un coup de fil de Monica Bellucci qui vous dit qu'elle va faire le film, c'est énorme, quoi, ce qui se passe. Et en plus, vous êtes sûr de faire le film, quoi. Donc je lui serai toujours éternellement reconnaissant. Non mais c'est vrai, je le dis, voilà. Agent Secret. Ça sort le 31 mars. Alors Monica,
Monica, vous êtes belle, intelligente, décidée. Je disais tout à l'heure, les hommes n'osent pas vous draguer parce que vous êtes comme une icône, comme ça, comme une déesse intouchable. Alors on va essayer quand même. On va faire une interview mode d'emploi. Monica, vous préférez les mecs beaux gosses, les mecs intelligents ou les mecs comme moi? Bah, alors que vous êtes intelligent et beau gosse, ouais. Comme vous. Oh là là. Oh. En plus, vous êtes habillé même en noir pour moi. Pour vous. Qu'est-ce uniquement pour vous, parce que d'habitude, je suis en blanc, oui. Alors, quelle est la meilleure phrase, Monica, pour vous aborder? Pas de me dire, je serai ton esclave. Ah, facile. Votre poème préféré? Je la prendrai par cœur. Bah, j'aime bien à Sylvia. C'est un poème d'un... Je connais. Giacomo Leopardi. C'est en italien? Mm-hmm. Ah, vous allez dire, dites-moi, alors là, parlez-moi italien, alors là, je vais fermer les yeux, je vais craquer complètement. Je me rappelle juste quelques mots. Juste quelques vers. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea. Oh là là, quelle chance j'ai de faire ce métier. Oh là là. C'est gratuit ce soir. Bien. Alors, l'endroit idéal pour vous donner un premier rendez-vous? Bah, ça dépend avec qui. Imaginez que je vous donne un rendez-vous, parce que bon, là, on est un petit peu tous les deux. Alors, un restaurant, parce que j'aime bien manger. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah, les gens, c'est vrai. Hein. Vous aimez bien manger, c'est ça qui est génial. Vous êtes épicurienne, une vraie italienne, vous aimez les pâtes et tout. J'adore, oui. Ouais. Le geste qui vous fait craquer chez un homme? Oh, le geste qui me fait craquer... Un peu les larmes aux yeux, un homme qui pleurerait, non? Ça vous plaît, ça? Ne l'influence pas, Thierry. Hein? Non, l'influence j'influence pas, j'essaye de... Un geste... je sais pas, ça peut être... une caresse. Ah. Même une caresse qu'on se ferait à soi? Ça peut te faire craquer? Ça dépend du moment. Le geste qui trahit votre trouble? Ah, je deviens rouge. Ouais. J'ai rougi, j'ai des plaques partout. Oh là là. Oui. Ben dis donc. Et quand vous êtes comme ça, c'est que vous êtes troublé par l'homme qui est en ça face de vous. Ça veut dire que, voilà, il y a... Ou à côté. Ou... Il y a du sang qui monte. Ah là là, ouais. Quel est l'alcool qui vous monte le plus rapidement à la tête? Bah, tout, parce qu'en effet, je bois pas trop et... Ouais. Méline. Voilà. De complète. Quelle est la ville la plus romantique selon vous, Monica? À part Barbizon. C'est Rome. Ouais. Rome et Paris, je Rome et Paris. Le quartier où on a le plus de chances de vous rencontrer? L'aéroport. À l'aéroport, bien. Le compliment qu'il ne faut jamais vous faire? Ah, mais j'aime tous les compliments. Ce ne sont jamais assez, les compliments. Celui qu'on vous a jamais fait? Je crois qu'on doit l'inventer. Ah. Vous êtes impressionné par les gens qui savent roter? Qui savent quoi? Roter, non? Ça veut dire quoi? Roter, ça veut dire faire un rototo, comme les bébés, tu sais, après, ou une bière. Bah, impressionné. Même les enfants savent le faire, c'est possible. Ouais. Un homme qui ferait ça casserait tout pour vous? Ça casse, oui. Ça casserait tout. Bon, mais comme ça, on le sait. Toi. Donc, on ne rotera pas. Toi qui avais envie de péter, tu vas le tenir. Agent secret de Frédéric Schoendorfer, avec Vincent Cassel, Monica Bellucci, André Dussolier, Charles Berling, Gabriel Lazur, Ludovic Schoendorfer et Bruno Todeschini dans un cinéma près de chez vous le 31 mars. J'ai passé un moment divin. Je suis très heureux, vous m'avez fait mon année là à peu près. Merci beaucoup Monica. Merci. Merci. Tu t'occupes de... de Monica. Et maintenant, voici George Michael.
George Michael, bonsoir. Ah, good evening. Bonsoir. Vous êtes plutôt rare à la télévision. Je crois que c'est la première fois que vous participez à un talk show en France, non? I think probably you're right. Probablement, oui, en effet. Ouais. À moins que je ne me trompe ou que je ne me rappelle pas. Non, je crois qu'en effet, c'est la toute première fois, en tout cas, que je participe à une émission comme celle-ci. Merci d'avoir choisi, tout le monde en parle. George Michael, 80 millions d'albums vendus. Didier. Michael. Voilà. Can you say Magneto Serge? Facing your camera, can you say Magneto yeah. Serge? Serge, please. Magneto Serge. Yes! Extrait de l'album Patience, le nouvel album de George Michael. Alors George, l'album s'appelle Patience parce que finalement on a attendu 8 ans un nouveau CD de chansons originales. En 1999, il y avait eu Songs from the Last Century qui étaient des reprises. Et en 2002, vous avez sorti deux singles, un qui s'appelle Freak et un qui s'appelle Shoot the Dog. Et avant de parler de vos nouvelles compositions, je voudrais qu'on dise un mot de ces deux chansons, Freak et Shoot the Dog, parce qu'elles figurent sous votre nouvel album qui s'appelle Patience, je le répète. Alors, ces deux chansons de colère, deux singles assez engagés. Dans Freak, vous remettez en cause l'overdose du sexe à la télévision. Vous dites qu'aujourd'hui, les jeunes sont pris en otage par la pornographie. Alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment pris en otage, en fait, mais ce qu'il me semble, c'est qu'aucun effort n'est fait pour protéger les jeunes lorsqu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Ouais. Alors, malheureusement, disons que les considérations sociales telles que... Je ne sais pas comment les choses se passent en France, par exemple, mais en Angleterre, la plupart des enfants des classes moyennes, bourgeoises, et pas nécessairement d'ailleurs des classes moyennes, ont une télé dans leur chambre à coucher dès l'âge de 8 ans, 10 ans. Et moi, j'étais choqué de voir, enfin, lorsque je regardais à la télévision britannique, tous les soirs, ce que je voyais, c'était des choses assez choquantes, et je me suis dit que... Peut-être qu'il y avait des gamins qui avaient peur de voir ce qu'ils voyaient, surtout s'ils étaient très jeunes. Alors, j'essaie de faire un disque qui parlerait de ce genre de problème, c'est-à-dire que ce fait qu'il y ait une espèce de bulldozer du sexe et le commerce du sexe constamment à la télévision et l'aspect agressif que ça peut avoir pour un enfant de 10 ou 11 ans. Alors, plutôt que... plutôt que de me donner l'image de quelqu'un qui approuve la censure, je préférais simplement d'être, à côté de tout cela, prendre position, prendre du recul et me mettre dans ce contexte. Vous dites qu'en Angleterre, vous avez vu en deuxième partie de soirée, à 22h30, des émissions où on parlait facilement de fétichisme et d'ondinisme aussi.
Ben oui, ça justement, je trouve que c'est... Bon, pourquoi pas, en fait. Mais enfin, disons que pour moi, c'était tout à fait fascinant. Mais disons que les Anglais, les Britanniques en général, ils ont besoin de se décoincer un peu. Et ça fait tellement longtemps qu'ils ont besoin de se décoincer autour du sexe que maintenant, peut-être que le contre-coup, la réaction adulte est finalement assez saine, finalement, de se décoincer. Pourquoi pas? Mais par contre, je crois qu'il y a une certaine paresse, c'est-à-dire qu'il s'agisse de producteurs de télé ou encore... Les parents des enfants, disons que les gens ne font pas très attention à ce que les enfants voient, regardent à la télé, et puis il y a des choses quand même assez, assez hard. Le sexe sans âme, ça vous choque, George? Not really. Pas vraiment, non, non, moi ça m'est beaucoup arrivé, par exemple. Non, obviously one is en soi, ce n'est pas ça qui choque. Le sexe, après tout, le sexe avec de l'amour, c'est quand même quelque chose de très différent et de beaucoup plus enrichissant, disons, que le sexe sans âme. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, l'autre single qui est sorti en 2002 et que l'on retrouve sur votre nouvel album, donc Patience, c'est Shoot the Dog. Alors, c'est une chanson qui est anti-Bush, anti-Blair. Il y a une vidéo qui a été faite où on voit Tony Blair qui danse dans les pattes de Bush comme un chien à quatre pattes. Il y a une autre séquence où vous êtes au lit avec la femme de Tony Blair, Cherry Blair. Alors, vous avez été très attaqué par les journaux conservateurs suite à cette chanson et suite à cette vidéo. Et vous répondez finalement qu'à l'époque de la guerre, en 2003, il y a un an, 90% des Anglais pensaient comme vous, c'est-à-dire 90% des Anglais étaient contre la guerre en Irak. Enfin, le chiffre se rapprochait peut-être plutôt de 70%, disant que 70% étaient contre la guerre à aucun prix, et 90% des Anglais disaient non, sauf si les États-Unis, les Nations Unies s'en mêlent. Alors évidemment, ça fait un pourcentage assez spectaculaire de la population qui est, que l'on ne peut pas donc, ignorer lorsqu'on lance le pays en guerre quand même. Alors au début du mois, vous avez déclaré dans un journal qui s'appelle Big Issue, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que George Michael s'exprime souvent dans les colonnes de Big Issue, qui est un journal de SDF en Angleterre. C'est une façon de les aider, parce que quand il s'exprime, tout le monde l'achète, évidemment. Dans Big Issue, vous dites, c'est effroyable pour ceux qui ont perdu des enfants dans cette guerre de s'entendre dire, par Tony Blair, que le monde est plus sûr. Disons que c'était quelque chose d'un petit peu... inhumain de répéter ça à tout bout de champ. Bon, le raisonnement politique, on le comprend, mais disons qu'il était un peu insensible à la douleur de ceux qui avaient perdu des êtres chers. Ceux qui essaient d'empêcher la guerre en demandant au public de faire entendre sa voix, je ne sais pas si on s'est rendu compte que personne ne tiendrait compte de nos revendications. Et en fait, la question qu'il fallait se poser avant la guerre, et toutes les questions et les réserves que les gens avaient émises, eh bien, ces questions, ces doutes étaient finalement démontrés. Les gens avaient raison d'avoir ces doutes. Et moi, ce qui m'a encouragé, c'est de voir la sanction électorale en Espagne, même si... Il est absolument horrible de se dire qu'un groupe intégriste a eu une influence en quelque sorte sur l'élection. Au moins, vous avez une société qui disait assez, on en a marre d'être ignoré. Et ça, en soi, c'est une bonne chose. Et ce que j'espère, c'est que la passion du peuple espagnol pourra peut-être empêcher que ce genre de choses se produise dans mon propre pays. Alors voilà, voilà pour les deux chansons qu'on connaissait du nouvel album Patience. Maintenant, on va voir les nouvelles. Alors vous avez dit, George Michael, j'ai longtemps cru que c'était une fatalité que tous les compositeurs donnaient le meilleur d'eux-mêmes très tôt et se desséchaient ensuite. Et vous avez découvert que c'était faux. Et quand on écoute votre album, on s'aperçoit que votre talent de songwriter n'a pas diminué. Oh, thank you very much. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est vrai. I think that the biggest
Disons que la crainte la plus importante qu'on puisse avoir quand on est artiste, c'est justement de perdre sa créativité. Et il y a tellement d'exemples de ce genre de situation, notamment dans l'histoire de la musique pop, et même parmi les meilleurs paroliers, les meilleurs songwriters, c'est une chose qui m'a toujours effrayé, et je crois que la seule façon de me protéger, justement contre ce risque, le risque de se dessécher, eh bien, c'est de protéger ma propre santé mentale et de m'éloigner autant que possible de toute la vie publique et du showbiz. Alors, il m'a semblé que, disons, mon style de vie est devenu beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste que l'on pourrait imaginer. Et lorsque je regarde ceux qui ont perdu justement leur talent d'écriture, justement, ils mènent des vies très glamour avec des gens très entourés, toutes sortes d'activités flamboyantes, des super villas, les meilleures soirées et compagnie. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ces trucs-là. Et probablement, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis encore ici aujourd'hui. Voilà, donc vous avez une vie aussi plus apaisée, il faut le dire, parce qu'après les deux chansons dont on a parlé tout à l'heure, Freak et Shoot the Dog, on trouve au contraire une écriture très, très calme, avec beaucoup de recul. Et vous dites, 2003 est ma première bonne année depuis 10 ans. C'est vrai ? Disons que c'est même plus que 10 ans, même 12 ans. Disons que 2003 a été pour moi la première année, depuis longtemps en tout cas, où je me suis senti vraiment productif. Et je veux que les choses restent ainsi. Alors parmi les nouvelles chansons, il y a une chanson qui s'appelle « John and Elvis are dead ». John et Elvis sont morts, qui est évidemment un hommage à Presley et à Lennon. Il me semble, enfin je pense que cette chanson sera, disons, la pièce maîtresse de la génération Love and Understanding. Et il me semble qu'avec le temps, cette chanson gagnera des parties importantes de l'histoire. Alors, il y a une autre chanson sur l'album Patience qui s'appelle « My mother had a brother »,« Ma mère avait un frère », où vous racontez, George Michael, que le frère de votre mère, votre oncle donc, était homosexuel. Elle vous l'a dit à l'âge de 17 ans. Et elle vous raconte aussi ce jour-là que cet homme, votre oncle, s'était suicidé le jour de votre naissance. Et votre mère vous disait souvent que vous lui faisiez penser à lui, c'est-à-dire à la fois sensible, créatif, gay aussi. Et lui s'est tué parce qu'il ne pouvait pas imaginer arriver à réaliser dans la vie ce qu'il voulait réaliser. Et finalement, vous vivez un peu l'aventure de cet oncle à sa place, d'une certaine façon, non ? Je ne vais quand même pas dire que je sais ce que ressentait mon oncle. Cela étant, je crois qu'on peut supposer sans risque de se tromper que sa sexualité, en tout cas dans les années 50, a sûrement été une source de dépression pour lui, et c'est la raison sans doute pour laquelle il s'est suicidé. Et alors à travers cette chanson, ce que j'ai voulu faire, c'est justement de montrer comment les évolutions qui se sont produites, au moins dans notre région du monde, cette évolution a été dans le bon sens. Alors évidemment, je rencontre beaucoup d'homophobie, notamment dans la presse, par exemple. Mais malgré tout cela, même si on dit toutes sortes de choses, quand même, je suis libre. Et personne ne va m'enfermer parce que j'aime les personnes que j'aime ou je fais l'amour avec les gens avec lesquels je fais l'amour. Et c'est donc une célébration de cette liberté, une façon de rappeler à tous et surtout à la communauté gay que cette liberté est récente. Pourquoi avoir attendu pour faire votre outing d'être surpris dans ces toilettes à Los Angeles ? Pourquoi l'avoir pas fait avant, alors que des amis à vous, par exemple Boy George, vous disaient « fais-le, fais-le ». Pourquoi avoir attendu d'être pris ? Être ouvertement homosexuel, c'est, je crois, fondamental pour n'importe quel homosexuel. Et dès qu'on peut le dire à ses amis, à sa famille, il vaut mieux le dire tout de suite. Le plus tôt vaut le mieux. Mais lorsqu'on est une célébrité homosexuelle, dans la presse, dans les médias, ce n'est pas nécessairement ce que le public attend. Et
si j'aurais tort de dire que je ne suis pas traité différemment par la presse. Parce que depuis que j'ai annoncé mon homosexualité, les choses ont changé. Le public, évidemment, a remarqué, et je crois qu'une grande partie du public le savait. Avant le coming out, je l'ai dit, je l'ai insinué de bien des façons. D'ailleurs, je n'ai jamais nié l'existence de mon premier partenaire. Donc je l'ai dit sans le dire, mais enfin, c'était surtout, en fait, mes craintes de la réaction de la presse, je pense. Et je comprendrais tout à fait aujourd'hui quelqu'un qui ne veut pas être réduit à un stéréotype homosexuel, gay, point final, parce qu'on est bien plus que cela. Et c'est bien triste qu'un homme ou une femme, d'ailleurs, homosexuelle, doive consacrer toute son énergie à cacher son identité sexuelle. Mais tant que l'on ne pourra pas être ce que l'on veut, lorsque le fait d'être homosexuel est considéré comme une réduction de la personnalité, et je pense que les choses peut-être sont meilleures en France qu'ailleurs, mais tant qu'on sera réduit à un simple stéréotype, alors il ne faut pas forcer les gens à faire leur coming out. Ok, thank you. Alors, depuis cet outing, George Michael, vous êtes passé, je dirais, de l'autre côté du miroir, vous avez l'air d'être mieux, beaucoup plus apaisé, vous assumez vraiment bien votre différence, et je ne dis pas simplement votre différence sexuelle, parce que ça vous le faisiez avant, mais aussi celle que vous ressentiez depuis votre enfance à l'école. D'abord votre nom, c'est vrai que vous appelez Georgios Kyriakos Panayiotou. Alors évidemment c'est compliqué quand on est à l'école, d'ailleurs votre père se fait appeler Jack Panos. Ensuite votre taille, vous mesurez 1m82, vous êtes un peu trop grand quand vous êtes petit, c'est le cas de le dire. Et puis votre corps, vous étiez un peu empoté. Et alors là finalement, depuis, vous avez l'air d'assumer ça complètement normalement, non? Well, I think I'm someone who disons que je suis quelqu'un qui a été reconnu très tôt et moi-même, j'ai pu voir très tôt que la plupart des ambitions s'appuient sur des dysfonctionnements. C'est curieux, mais c'est les défauts qui vous poussent à progresser. Et alors, j'ai voulu m'appuyer sur mes expériences pour justement peut-être penser des plaies d'enfance. Nous portons tous des blessures de notre enfance. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'occuper surtout de mon esprit, de ma tranquillité d'esprit pour régler mes problèmes. Et avec un peu de courage, je crois qu'on peut régler tous les problèmes qu'on porte dans sa tête. À l'âge de 40 ans, aujourd'hui, je pense que j'ai réglé la plupart des problèmes qui se sont posés. Je me sens vraiment effectivement à l'aise. Alors aujourd'hui, donc, on a parlé d'une nouvelle vie, mais demain encore plus, puisque l'album Patience, qui sort en ce moment, et le dernier album que vous distribuerez par la voie normale, vous dites à partir du prochain, je diffuserai mes chansons sur Internet gratuitement. Peut-être que les fans feront des dons à des associations caritatives. Mais voilà, ça sera plus en vente dans les bacs. Est-ce que c'est un nouveau pied de nez que vous faites aux maisons de disques? Parce qu'on sait que vous avez eu des problèmes avec Sony. Vous les avez traités d'esclavagistes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous sortez l'album chez eux. Est-ce que c'est une façon de leur faire un pied de nez? Non, et croyez-moi, ils vont s'enrichir d'ici là. Ils vont considérablement s'enrichir grâce à moi. Non, disons que c'est simplement pour moi. Comme je veux vraiment pouvoir maîtriser chaque partie de ma vie, je veux justement maîtriser la suivante. J'ai traversé une période de grandes difficultés et je voudrais justement éviter de retomber dans les écueils d'hier. Alors, l'une des grosses pressions auxquelles je suis confronté dans ma carrière, c'est que j'ai derrière moi une énorme collection de chansons et tous les 3 ou 4 ans, on me juge là-dessus. D'ailleurs, c'est vrai pour tous les artistes musicaux. Et alors, mon angoisse par rapport à tout cela, c'est ce qui m'a, disons, ôté la joie d'écrire, de composer. J'y arrivais quand même, mais disons qu'il y avait une certaine angoisse qui gênait tout cela. Et puis, depuis un an, je me rappelle pourquoi je fais de la musique. Et je me suis vraiment rappelé les causes profondes et j'ai voulu dépasser ces angoisses et me dire que la musique, ça doit être une source de plaisir et non pas d'angoisse. Et là, avec ça, c'est pas à travers les médias que je vais y arriver. C'est-à-dire que l'avenir de la célébrité est toujours un peu douteux. Je ne sais pas si c'est vraiment une vie si
si agréable que cela. Et alors, je crois que c'est beaucoup plus agréable de donner à ceux qui aiment ma musique et qui ne la trouveront plus en public, leur donner la possibilité de la télécharger gratuitement sur Internet. Et puis, ça me donne l'idée que peut-être, de leur côté, ils voudraient peut-être participer à une cause caritative. Ils ne sont pas obligés, mais s'ils sont très méchants, ils peuvent juste télécharger de la musique gratos et c'est tout. Mais avec un grain de générosité, avec un peu de gentillesse, je crois qu'il y aura des gens qui seront contents de verser un peu d'argent à des associations caritatives. Alors, George Michael, vous rêvez d'une nouvelle vie plus tranquille, un petit peu loin des problèmes de médias, d'argent, etc. Mais vous savez, l'argent, ça existe quand même. Alors, on va vous faire une interview. Pour combien ? Alors, George Michael, pour combien d'argent enregistreriez-vous un album sous votre vrai nom, Georgios Kyriakos Panayitou ? Well, I think actually, disons que that might be quite funny, actually. Ce serait peut-être marrant de faire ça. Ça ne poserait pas de problème, mais il faudrait que tout le monde apprenne à prononcer le nom correctement. Yorgos Kyriakos Panayitou. Panayotou. Panayotou. Kala. 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 Pour combien d'argent chanteriez-vous en live, là, maintenant? Non. Let's just say you'd probably have to. Il faudrait sans bring doute in a car. Faire venir un fourgon blindé plein de. Maybe a truck full of money. Un camion plein de sous. Pour combien d'argent accepteriez-vous de dîner avec Bush et Blair? Oh, I'd do that for free. Ah, gratuitement, ça je le fais. I don't think they'd. Je crois pas qu'ils m'inviteraient. Hein, really. Franchement, mais. Pour combien d'argent vous reformeriez le groupe Wham? Well, I would do that. I would do là that, encore, with no problem, je le ferais sans problème, mais je ne pense pas que Andrew serait très chaud pour le faire. Donc, peu importe combien je demanderais, parce que lui, il ne serait pas d'accord. Pour combien d'argent vous venez chanter pour l'anniversaire de ma fille? We'll talk later. On en parlera tout à l'heure, s'il vous plaît. Pour combien d'argent vous mettez torse nu, là, maintenant? There isn't enough money non, in France. Il n'y a pas suffisamment d'argent en France pour ça. Pour combien d'argent vous restez jusqu'à la fin de l'émission, George? I can't because non, I'm désolé, catching je ne peux pas parce que je prends mon avion là tout de suite. Which you know is true. Et vous savez que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Merci d'être venu en tous les cas. Merci. Merci. Maintenant, quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Boxe, boxe. Voici Fabrice Thiozzo. À Laurent. Bravo. Laurent. Alors, Monica ? Superbe. Très sympa. Elle est venue dans ma loge parce que j'avais un problème de truc qui fuyait. Elle, ouais. Elle est très manuelle. Ah oui ? Elle a réparé la... Elle s'occupe de la plomberie et tout ? Tout. Bon, comment ça va ? Très bien. Alors, bien. Fabrice Thiozzo, évidemment. 48 combats. Plus 40... des défaites. Non, 46 victoires. Laurent, corrige tes fiches. Dont la dernière samedi, troisième titre de champion du monde WBA mi-lourd. Un triomphe ! Fabrice Thiozzo. Alors, dans un pays
Dans un pays où on parle toujours des anciens boxeurs, Halimi, Cerdan, on nous rabat les oreilles, ça fait plaisir de voir des boxeurs d'aujourd'hui qui sont champions du monde trois fois. C'est génial. Bravo, Fabrice. Ouais, c'est énorme. Ouais, surtout hein? Celui-là, il me tient vraiment à cœur, celui-là. Ouais. En tous les cas, c'est une belle victoire parce que d'abord, il fallait remonter sur le ring après trois ans un petit peu bizarre. Et puis surtout, et ça, je dis ça à toutes les femmes qui vont s'allonger sur les plages cet été, Fabrice Tiozzo a perdu 25 kilos ouais. en 100 jours. Oui, parce que 100 jours avant le combat, Fabrice pesait 103 kilos. Et pour le combat, il faut être à moins de 80 kilos. Sinon, on n'est pas mis lourd ouais, WBA. 79-400, hein. Et tu vas faire un bouquin là-dessus, sur ta perte de poids, non? Oui, bah, peut-être. Ça se vend bien, hein. Ouais, ouais, on fera 100 jours. Alors maintenant, je vais vous raconter Fabrice Tiozzo, avant et après. J'ai bien mangé, Alors, mais c'est énorme, parce que moins 25 kilos en 100 jours, ça fait 1 kilo tous les 4 jours. Ouais, à peu près. Ça ouais. fait 250 grammes par jour. Non. Je rappelle les proportions. Non, ça fait... Un... Ah oui, si, pardon. Pardon, Laurent. Mais oui, ouais. c'est vrai que ça... Laurent, tu es un génie méconnu. C'est tout, hein, ça. Oui, ça fait 250 grammes par jour. Il faut les perdre, les 250 grammes par jour, quand même. Hein. Ah oui, ça, c'est... Ah, c'est un rêve, hein. Il faut en faire profiter tout le monde, toutes les femmes, moi aussi un petit peu d'ailleurs. Et pour commencer, notre invitée suivante, et puis comme là on est trois mecs. C'est qui? Ben c'est Virginie Desarnaud. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Alors Virginie combat. 46 victoires. En comédienne, on vous verra bientôt dans Comme une image d'Agnès Jaoui, mm-hmm. où vous tenez le premier rôle avec Jean-Pierre Bacri. Et vous avez été choisie comme jeune talent mm-hmm. par le Festival du film de Paris. On en parlera. En attendant, je vous ai demandé de venir parce que là, Fabrice, il a un régime génial. On perd quand même 250 grammes par jour. C'est ce que m'a dit Laurent. Vous aviez 25 kilos de gras à perdre. Hein. Oui, c'est ça, ça fait mal au cœur, ça. Ah, c'est terrible. Hein. Ouais, ils étaient vachement beaux, là. Vachement bien. Hein. À l'époque, on t'appelait le porc. Non. Non, le gros, ça suffit. Le gros porc, moi, j'avais. Alors, le gros cochon. Ouais. Qu'est-ce que vous faites alors? Protéines et puis pas de sucre, c'est ça? Ouais, ouais, beaucoup de protéines. Et des piqûres. Non. Beaucoup de protéines. Et oui, l'entraînement. L'entraînement, mais le plus dur, c'est de pouvoir s'entraîner en mangeant pas beaucoup. Ouais. Donc on passe par des phases où on est fatigué, où on n'avance pas, où on maigrit pas. Ouais. Où il y a plein de choses qui se passent, et puis après, il faut réussir à enclencher ça. Et pour enclencher, c'est difficile. Conjuguer les deux, le régime et la boxe. Karl Lagerfeld, il a arrêté la boxe. Parce que faire du sport, c'est chiant. Mais faire du sport sans manger, c'est encore pire. Hein? Non, mais c'est pour ça. Il faut habituer son corps à pouvoir s'entraîner avec le minimum de nourriture. Ouais. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir dans ces moments-là? La drogue, bien sûr. La drogue, oui, évidemment. Non, mais je voulais. Alors, est-ce que c'est suffisant? Bah oui, apparemment. Je pense que... Ouais. Oui, enfin, c'est une explication un peu bizarre. Mmh. Mais je voulais y arriver, je voulais pas perdre. Ouais. Et je voulais arriver à mon truc. Alors, parfois, vous craquiez, hein? Oh, bien sûr. Par exemple, chaque fois que vous alliez dans une station-service pour faire de l'essence... Vous craquiez sur les barres Twix, là. Hein. Ouais, alors que j'en mange jamais. Ouais. J'en mange jamais, et dès qu'on est au régime, bon, j'ai envie de manger ça. Ouais. Ouais. Et après, vous n'arrivez plus à pisser, parce que vous faites une accumulation de sucre. Ouais, après, on fait de la... Non, parce que quand le score... Mais ça m'intéresse, attends, moi. D'accord, ouais, quand... Je veux devenir champion du monde WBA, moi. Ouais. Non, mais c'est une fois qu'on... Le truc, c'était de manger le moins de sucre possible. Ouais. Sucre lent aussi, parce que le sucre rapide, on n'en parle pas. Mmh. Et donc, et le sucre lent, c'est ça le carburant. Mmh. Et donc, on essaie d'en avoir le moins possible, mais on fait des fringales. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment, on a envie, et dès qu'on le prend, le corps, il garde tout. Ouais. Et donc, c'est-à-dire qu'on fait la rétention d'eau, pendant 4 jours, on ne maigrit plus, c'est une catastrophe. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'on pisse. Non, mais sans déconner, bien sûr. Et bon, on n'en mange pas qu'un, parce qu'une fois qu'on craque, on craque. Station-service dévalisé complètement. Oui. Ouais. Vous avez repris depuis la bouffe, non? Ouais, mais je me plais bien comme ça, donc j'ai pas trop envie de bosser. C'est bien, faut pas. T'as repris la boxe un peu? Je n'ai pas vu l'histoire. Alors, recommencer à vous goinfrer, non? Non, j'ai pas envie. Non, puis là, j'ai vraiment souffert. Là, donc, bon, on va faire un test. Alors, Méline. Ah, la pistache.
Voilà, les yaourts à la pistache. Les yaourts à la pistache. Tu veux en goûter un, là? Après. Ah, ils craquent. Ah, ils sont super bons. Hein. Mais je les connais, celui-là. Tu les connais, celui-là. Ouais. Pépété. Ouais. Pépété. Ça va? Ah, c'est magnifique, c'est son péché mignon. Là, s'il craque pas sur le yaourt à la pistache, c'est que vraiment il est sérieux. Parce non, que mais j'ai déjà craqué chez moi, c'est pour ça. Ah, t'as craqué chez toi. Avant de venir, là? Non, mais après gaffe, le match. Hein. C'est non, mais après le match, clope, j'ai... Ah, ouais, c'est comme la clope, bien sûr, mais bien sûr, c'est comme toutes les drogues. Hein, non, puis j'avais des envies. Et quelques jours avant, j'ai dit à ma femme, j'ai fait une liste. Ouais, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et puis après, bon, ouais. c'est plus des envies. Dans la tête, quoi. Ouais. Oui, c'est comme la clope. Hein. Alors, vous allez pouvoir passer à C'est mon choix, là, vous allez raconter. J'ai choisi de maigrir, non? Ouais, enfin, avec Evelyne Thomas. Pourquoi pas, ouais. Maintenant, c'est marrant, vous me faites moins peur qu'avant. Je suis toujours le même quand même. Ah bon? Je me fais plus peur. Le seul problème... Il me prend même le yaourt. Alors, c'est bon, hein? C'est gras. Ah bah oui, justement. c'est pour ça que ça lui plaît, figure-toi. Non, c'est gras. C'est parce que c'est gras. Fais goûter au cadreur, Laurent. Est-ce que ça lui plaît? Alors? C'est bon, fais voir. Qu'est-ce que c'est bon? T'aimes ça, Virginie, les yaourts à la pistache? Je ne connais pas, je vais goûter ça. C'est vachement bon. Oh là là, je comprends qu'on s'accroche à ça, moi. Ouais. Ouais. Il y en a quatre, mange pas, c'est moi. Hein. Parce que moi, je suis très yaourt à la cerise, si tu veux. Ouais. Je suis monomaniaque du yaourt à la cerise, mais ça, je dois dire, c'est bon. Hein. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Hey, Fabrice, prends-en un peu. Non, j'ai pas envie. Fabrice, j'ai pas envie. Nous, personne ne te voit, là. Non, vous êtes tous des menteurs. C'est super bon. Hein. Alors non, il y a un problème quand même, c'est cette histoire de cerveau. Hein. C'est le médecin de la fédération qui a dit que quand on maigrit, il y a un risque de déshydratation du cerveau. Oui, mais là... Mais voilà. D'accord. J'attendais. Ah, il se connaît, hein. Je suis boxeur, ouais. Et on parle de cerveau, c'est ça me fait plaisir de te voir comme ça, parce qu'on t'avait vu après la défaite contre Virginie, là, t'étais quand même... Ouais, mais le coup du cerveau, c'est plutôt pour un combat comme ça, où vraiment j'avais perdu beaucoup de poids en peu de temps. Ouais. Donc là, vraiment, on se déshydrate. Ouais. Mais là, j'étais bien redéchetonné. Là, t'as changé ton métabolisme, en fait. Complètement, voilà, complètement. Alors, on va revenir au match, on va revenir à la boxe. Donc, samedi 20 mars, au Palais des Sports de Gerland à Lyon, 7000 spectateurs, et en face de vous, Fabrice Chiozzo, l'Italien Silvio Branco, un pari un peu insensé après 3 ans sans boxer. Hein, c'était très gonflé parce qu'il est baraqué, le mec. Hein, c'était impressionnant. Hein. Ouais, ouais. Bon, quand c'est truqué, ça va. Hein. Et une belle victoire parce qu'à un moment, vous aviez quasiment perdu. On va voir comment ça s'est passé. Regardez votre caméra et dites Magneto Serge. Magneto Serge. Fabrice, au 6e round, vous avez eu un sérieux coup de pompe. Hein. À un moment, là, c'était pas évident. Vos coups n'avaient plus la puissance nécessaire. Ça allait mal. Au 8e round, c'était presque fini. Vous dites, je pensais à rien. J'étais comme dans une tempête. Je prenais des coups. Je ne pouvais plus rien faire. Et au 9e round, miracle, le préposé à la bassine laisse tomber la bassine. Ça vous a permis de... Ah bah ça fait récupérer, ouais, bien sûr. Ah, et ça dure un peu plus longtemps que d'habitude. Bah on a une minute de repos, après le temps que... Oui, ça a bien eu 30 secondes de plus. Ouais.
C'est bien préparé, en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il l'a fait exprès? On ne sait pas. Mais en tous les cas, c'est comme ça. En tous les cas, vous réfléchissez, vous récupérez un petit peu. Et au début du 9e round, vous dites, j'ai réussi en lui en placer une bonne. Il s'est arrêté net. Mais pourquoi se mettre, en arrivé là, se mettre des grands pains dans la gueule? Il n'y avait pas un terrain d'entente? Vous ne pouviez pas parler? On se connaît même pas, en plus. C'est quoi l'embrouille au départ? Il n'y en a même pas. Pas un constat. Mais ça, il a raison. Est-ce qu'il faut vraiment, ça c'est un truc, il faut vraiment apprendre à détester l'adversaire? Parce que moi, je me souviens de Mohamed Ali qui était là en disant c'est un connard, je vais lui écraser la gueule. Il faut vraiment haïr son adversaire? Tyson aussi. Oui, Tyson aussi. Ouais. Ouais, je ne sais pas, mais de toute façon, quand t'apprends entre 16 cordes, ouais, et il faut se taper dessus, ça monte, puis ça fait longtemps qu'on fait ça. Ouais. Et puis, dans la famille Tiozo, oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Puis arrivé à un moment. La rancune, elle vient vite, il te met un pain, tu dis quoi? Non, c'est pas comme ça, mais bon, on est là, quoi. On est là pour ça. Ouais. Et puis c'est un truc d'homme, et puis faut être là, et puis faut se taper dessus. Vous, ça vous excite la boxe? Parce que moi je vais souvent à la boxe et je vois des filles qui sont toutes excitées de voir des combats de boxe. Je suis jamais allée à un tournoi, mais par contre j'ai vu le film de Mohamed Ali, tout ça, ça m'avait passionné. C'est magnifique. Ouais, hein. Parce que vraiment, je trouve qu'il montre une autre dimension de la boxe. Ouais. Ça va bien au-delà de donner des coups. Ouais. Ça, oui, ça c'est un truc qui me. Ouais. Et donc je pense qu'un jour j'irai, ouais. Ouais, on ira. Alors Fabrice dit, ça me faisait chier de donner raison à tous ceux qui pensaient que j'allais m'écrouler. Ouais. Je pense à ça, au moment où je commence à te fatiguer. Voilà. Ouais, ouais. 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 Et je voulais pas leur donner raison. Vous dites, pour tous ceux qui m'ont soutenu, je n'avais pas le droit de perdre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah oui, parce qu'en plus, pour ce combat-là, il y a... Tout le monde a voulu aider. Parce que bon, mon entourage, bon, c'est ma famille, c'est normal, tout ça. Mais quand on prenait n'importe qui, voilà. Le préposé à la bassine, par exemple. Par exemple, pour les glaçons. C'est... Non, mais tout le monde voulait aider. Il y avait une bonne volonté autour de voilà, vous. Quoi. Voilà, voilà. Ouais. Et ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vécu quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'après, bon, c'est pour moi que je le fais. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais après, quand on vit avec tous ces gens, on les voit, qui essayent, qui sont stressés la dernière semaine, tout ça, on leur doit un petit peu aussi. Bien sûr. Puis surtout, il y a un truc, si vous ne vouliez pas que votre gosse aille à l'école, et qu'on lui dise ton père, il s'est pris une rouste, ouais, il y a ça aussi. Ça, c'est vachement important. Bien sûr, bien sûr. Déjà, au départ, tu ne voulais pas que ton gosse aille à l'école. Non, c'est bon. Avant l'histoire de la rouste. Alors, champion du monde, vous avez une ceinture. Vous savez que cette ceinture, vous pouvez la mettre avec aucun pantalon quand même. Ouais, vous êtes au courant. C'est trop beau, ça. On ne peut pas faire ça à tout le monde. Et champion du monde. Et pas trop fort quand même. Quand vous êtes sur le ring, vous avez peur de mourir? De mourir, non. Non, non, peur, non, de, non. Peur de tuer? Non plus. Non, non plus. Non, moi, ce que j'ai peur de perdre. C'est déjà pas mal. Ouais. T'as peur de prendre une prune? Tu penses à ça? Non, c'était mal garé. Non. Ou la fourrière. Là, c'est pire. Là. Quand vous êtes sur le ring, vous êtes plus ou moins à l'aise que là, maintenant? Ah, je suis plus à l'aise sur un ring. Plus à l'aise sur un ring. Ouais, mais c'est mon truc, ça. Non, oui. Pas de réflexe. Hein. Le temps, quand je suis bien, là. Ouais, c'est top. Mais t'es avec nous, là. Appelle-moi Fabrice. Appelle-moi Fabrice. Le temps, il passe plus vite ou plus lentement sur un ring? Ça dépend. Au 8e round, quand je prends plein de coups, il passe très lentement. Ouais, ouais. Et quand c'est moi qui donne, ça passe rapidement. Ouais. Mais il y a de la souffrance, c'est clair, mais est-ce qu'il y a un peu de plaisir, quand même? À part le moment où on vous dit que c'est vous le champion du monde. Est-ce qu'avant ça, il y a un peu de plaisir ou il y a que des coups à prendre? Après un bon combat où on s'est mis plein, où on s'est mis des coups, il s'est passé quelque chose et que je gagne, je suis plus content qu'après une victoire où j'ai mis un coup de poing, le gars il est tombé. Ouais, c'est, moi j'aime bien où il se passe quelque chose. Ça, ouais. C'est le plus fort qui le gagne ou c'est le plus malin? Non, c'est le plus fort. C'est le plus fort. C'est plus fort parce qu'on peut être malin, un round, 5 rounds, 6 rounds, mais arrivé à un moment ça passe pas. Ouais, après c'est. Non. Ouais. Ouais. On peut tricher ou pas? De la bassine. Non, à part la bassine. Non, sérieux. À part la bassine. Tu t'es couché déjà? Couché. Dans les matchs. Tu peux lui mettre un pain si tu veux. C'est vrai? Je m'attends encore un peu. Il ressemble à Branco. Moi, je trouve qu'il a le même genre de mec. C'est un peu le même genre de mec. Je suis un peu plus rapide que Branco. Mais tu pourrais prendre un contre. Le problème avec la boxe, c'est quand on a la trouille, il n'y a pas de sortie de secours. Quoi. On est obligé de rester sur ce putain de ring avec les cordes. Ah, ça, puis ça, c'est, puis c'est petit un ring. Hein. C'est petit, on peut pas se cacher, tu comprends. Ouais. En tout cas, vous revenez de loin, Fabrice Tiozo. Après donc, la deuxième défaite contre Hill en décembre 2000, vous étiez considéré comme fini. Ça a été d'ailleurs ce qu'on a appelé votre descente aux enfers. On vous a traité de grosse feignasse, de gros bide. Absolument. Toi, tu l'as traité. Les amis. Non, pas moi, tu te dis. Je te disais, c'est un type formidable, il reviendra, tu m'as dit, c'est un bal, train, il ne fera plus rien. Je l'ai invité sur le plateau. Magnéto, c'est. Non, arrête, à l'époque, bien sûr. Non, il est infernal. Bon, non, mais c'est vrai aussi, puis à ce moment-là, les amis qui se tirent, vous dites qu'à l'époque, vous étiez 200 au restaurant.
Ouais, ouais, ça c'était une histoire. Ça, c'est ouais. une affaire. Et là, vous étiez quoi après le combat? Une quinzaine, quoi? Oui, parce que maintenant, parce que j'ai réfléchi pendant 3 ans, tout ça. Et même si quand on était 200, je savais très bien que j'avais pas 200 amis, mais on fait, bon, on s'en fout, c'est pas grave. Ouais. Mais on n'a pas à faire ça. Voilà, on n'a pas à dire, ouais, je m'en fous, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous avez un peu fait le vide autour de vous. Ah, complètement. Vous dites que finalement, les gens avec qui vous entendez le mieux, vos meilleurs potes, c'est les parents d'élèves de l'école où vous avez amené votre fils. Vous étiez dans un club de broderie aussi. Ouais, ça y est, maintenant, je me suis mis au rami. Tu fais des trucs bien. Alors, on parlait du prochain combat, c'est soit toi. Non, c'est sûr que c'est lui maintenant. Ah ouais, c'est sûr. Non, parce qu'il hésitait entre toi et Darius Mikhalevski, qu'on appelle le Tigre. Donc, vous allez prendre quoi, Darius? C'est prévu, ça? Bah normalement, c'est le prochain, ouais. Ouais, ouais. On l'appelle le Tigre, hein. Ouais. Ou la Fiotte aussi. Alors, non, mais voilà, on l'appelle la Tafiole. Ouais. Non, sérieux. Non, parce que ce que vous dites, en fait, c'est qu'il est milliardaire, le mec, et qu'en fait, il n'a plus besoin de trop se battre. C'est ma pensée. Ouais. C'est ce que je pense. Maintenant, bon, il a perdu son titre. Il avait le titre WBO. Lui, il a perdu il n'y a pas si longtemps que ça. Il était gros, il n'était pas entraîné. Il est milliardaire. Il paraît que... Il avait le titre PO aussi, non? Le PO, non. Pas en boxe. Ça. Alors, au niveau management, Michel Acariès, que je salue ici, a remplacé Don King, le grand manager Don King. Vous dites que Don King avait une mauvaise habitude, c'était de me prendre pour une truffe. Ah ouais. Vous êtes fait un peu avoir par lui? Oui, de toute façon, oui. Ouais. De toute façon, oui, mais il fait ça bien. Ouais. Ouais, il fait ça avec bien. Avec les bagues et les colliers, les bagues en or, les colliers. Non, ça marche pas, ça. Ah ouais. Mais il a c'est un vieux malin. Donc, il t'a séduit carrément. Il a toujours un coup de plus, un coup d'avance, tout le temps. Et il promet quelque chose et on s'énerve. Oui, mais tu m'avais dit. Oui, mais attends. Et clac, clac, clac. Et on sait. Ouais. Et on sait, mais c'est un vieux malin. Voilà. Ouais. Ouais. Et Mourmec, il est avec lui maintenant? Oui, bien. Bien du plaisir, vous lui souhaitez? Je suis redevenu champion du monde, moi je suis heureux, tout va bien. Il est tranquille, il fait pas d'embrouille, Fabrice, tu vois. Et pourtant, on va lui bourrer la gueule. Comme mais quoi. Avec Acariès, il n'y a pas de problème, hein. C'est vraiment parole d'homme, quoi. Il n'y a même pas de contrat entre vous. Non, il n'y a rien du tout. Ouais. Mais c'est parole d'homme. Ouais, parole d'homme, ouais. Comment va Franck? Très bien. Parce qu'on les connaît tous, nous, ici. Hein. Christophe, Franck, ils sont tous venus. Ouais. Hein, ils vont bien? Très bien. C'est une sacrée famille, les Thiozo, quand même. Hein. La maman, t'imagines. Michel, ça va toujours? Très bien. Il fait 19 ans que Fabrice est avec Michel. Hein. Vous êtes un mec fidèle, c'est bien. Oui, oui. Puis, elle vous aide en même temps, parce qu'il y a des moments où ça ne doit pas être simple avec vous. Hein. Déjà, c'est vrai que je suis un peu compliqué. Mais c'est vrai, déjà à l'époque, vous êtes un peu pendant 3 ans, un peu comme ça, vous laissez un peu aller, vous bouffez. Un jour, vous arrêtez de bouffer, vous redevenez aussi insupportable qu'avant, évidemment, puisque vous arrêtez de bouffer. Non, mais c'est vrai. Logique. Mais non, c'est... de la patience, Michel, non, mais sérieux. Hein. Ouais, mais c'est... on est un couple, hein. tout va bien. Ouais. Maximilien, Colline, ça va? Super, bon. Ça pousse bien, il n'y a pas de problème. Bah, je vois que là, on est en pleine tendresse, hein. Comme tout le monde s'en est aperçu, on va donc faire une interview de tendresse. Fabrice! Est-ce qu'on vous appelle toujours l'ours? L'ourson, parce que j'ai maigri. L'ourson, parce que j'ai maigri. Ouais. Vous vous souvenez de votre premier ours en peluche? Oh, pas du tout. C'était il y a 2 semaines, quand même. Mémoire courte. Hein. Vous vous souvenez pas comment il s'appelait, tout ça? Non, rien du tout. Oh non. ça a été dur quand on vous a dit que le Père Noël n'existait pas? Mais moi, je me souviens pas de tout ça. Ah ouais? Ouais, t'as pris un coup sur la tête. Non, sûrement, j'ai trop dans la gueule, c'est pas possible. La mort de la maman de Bambi, vous vous en êtes remis maintenant? Ça va vous mieux? Vous êtes exprès d'avoir des questions comme ça? Sinon, t'as vu tendresse, Fabrice? Ah bon? Ouais. Bon, à la prochaine. Vous avez déjà pleuré pour une fille? Pour une fille? Ouais. Ou comme une fille? Non, oui, comme une fille pour une fille. Oui, pour ma femme. Ah ouais. Ouais. Mais quand une fille vous quittait avant, tout ça, vous pleuriez pas? Non, ça c'est pas vrai. D'accord, oui. Et pour un garçon? Non, je déconne. Non, c'est une connerie, c'est une plaisanterie. Trop tard, c'est dit. Et le prochain, c'est pas lui, finalement. Ouais, non. Comme on est dans l'interview de tendresse, là, vous dites souvent « je t'aime » à Michel. Ouais. Ah, vous êtes tendre. Ouais, mais je dis pas pour rien non plus. Je dis pas comme ça, comme on dit bonjour. Et votre maman, vous lui dites aussi? Non. Bien sûr. C'est difficile à sa mère de dire ça, non? Ouais, beaucoup moins, beaucoup. Ça rarement. Ouais. Vous vous souvenez quand vous chantiez? Oui. Oui. Eh oui. C'est le moment le plus difficile de l'interview de Fabrice Thiozo. Malheureusement. On va chercher pour en passer dans l'état. Pourquoi remettre au lendemain? Lâche-moi. On va chercher. Pourquoi remettre au lendemain? Pourquoi chercher dans le passé ou dans l'état?
C'est vachement bien, c'est un texte sacré en plus. Ah hein. Oui, non, c'est un C'est pas de la rigolade, texte, hein. Ça a l'air d'être du rap comme ça, mais c'est l'évangile c'était un super selon texte, saint Thomas. Ouais. C'était un super CD, on l'a jamais sorti. Bah ouais. Mais nous, on l'a, tu vois. Oui, oui, parce que. On se le passe à la maison. Moi aussi. Puisqu'on est dans l'interview tendresse, vous faites un bisou tous les deux là. Tu vois. Ouais. Fabrice Tiozzo, champion du monde WBA, troisième fois champion du monde. On va continuer avec vous, Virginie. Ah. Donc, vous parlez trois langues. Oui. Le français, l'anglais et l'italien. Sans doute pour ça qu'on vous a choisi pour premier baiser. Vous vous souvenez de premier baiser ? Et je m'en souviens très bien. Vous vous souvenez de votre premier baiser ? Ouais. Ah oui, c'est avec qui ? Ça vous fait rire, c'était le premier jour de tournage avec Guillaume Canet. Ah, il est beau, Guillaume Canet. Ouais. Mais je l'avais pas reconnu, en fait, sur le moment. Parce qu'il était avec des lunettes, ça se... Voilà. C'était Guillaume Canet. Vous avez mis la langue, non ? Non. Ah non, pas de langue, non. Non, c'était juste comme ça. Comme ça, oui, c'est tout, comme ça, oui. Ouais. Je jouais mon petit copain, mais pour un épisode. Ah oui, vous avez... donc votre petit copain l'avait su, non ? Je m'en souviens, oui. Ah, mais il faudrait vous en souvenir, parce que c'est vrai, il faudrait tout se règle à un moment, vous savez. Vous auriez commencé plus tôt si vous aviez su que c'était aussi bon, les bébés. Bon, alors, allez, on arrête nos conneries, là. On passe au boulot. Donc, à la télévision, on vous a vu dans Navarro, dans Cordier, Juge et Flic, etc. Au cinéma, dans Jefferson à Paris, et bientôt. Et ça, c'est un événement pour nous d'abord en tant que spectateurs et pour vous encore plus en tant qu'actrice. Donc, comme une image d'Agnès Jaoui avec Jean-Pierre Bacri, à qui on doit le goût des autres, qui est un film remarquable. C'est quoi le pitch, en gros, comme ça ? Vous reviendrez pour en parler à ce moment-là, j'imagine, mais en gros, l'histoire ? C'est juste, ça montre juste parfois l'image qu'on donne de soi qui n'est pas du tout ce qu'on est à l'intérieur. Et comme quoi, ça peut être très trompeur. Et la dépendance des uns sur les autres, le pouvoir qu'on donne aux autres. Voilà, en gros. Faites quoi comme rôle, vous, vous êtes... Je joue l'épouse de Jean-Pierre Bacri. Ah ben non, il est casse-couille quand même, Jean-Pierre Bacri, non ? Ah non, pas du tout. Ah bon ? Non. Mais il est toujours bougon, il est toujours de mauvaise humeur. Non. Il est un peu atrabilaire, non ? Non. Ah bon ? Non. Mais il était sympa avec vous, alors vous avez de la chance. Profitez-en. Non, pas qu'avec moi. Non, c'était un tournage, il y avait... Enfin, c'est vrai qu'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, c'est des gens, enfin, humainement, qui sont vraiment... oui, c'est ça, c'est une grande qualité humaine. Enfin, j'ai beaucoup appris avec eux. Alors, vous êtes aussi jeune talent au Festival du film de Paris. Alors, ça s'est passé comment ? Vous étiez choisi comment ? Parce qu'en fait, mon agent, Patrick Gouavec, était à l'honneur du festival et on lui a demandé de choisir 10 comédiennes, 10 comédiens. Ouais. J'étais dans l'agence et voilà, je faisais partie des 10. Voilà. C'est bien, dit non, hein ? Oui. C'est le premier festival de ma vie, en fait, que je fais. Et vous allez rencontrer le public ? Vous allez parler avec les gens, c'est ça ? C'est la première fois. Je trouve ça super qu'on puisse échanger et parler de son parcours et d'entendre aussi le parcours des autres. Elle va rencontrer des grands cinéastes, surtout. Oui, il y a plein de gens. D'ailleurs, c'est le film de Schoendorfer qui ouvre le festival, Agent secret avec Monica Bellucci et Vincent Cassel. Alors, le Festival de Paris, c'est au Gaumont-Marignan, du 29 mars au 6 avril. Et le président du jury, c'est Bernard Giraudot, voilà. Donc allez-y, c'est facile. Il y a plein de gens, il y a Bertrand Tavernier, il y a plein de discussions, ça qui est intéressant, c'est très ouvert, ça va permettre de rencontrer, d'échanger avec le public, ils vont parler aussi de pourquoi on tourne autant de films, si c'est une erreur ou pas, voilà, enfin il y a un autre regard, je trouve c'est ça, ouvert. Cinéma. Voilà, ça commence le 29 mars, ça dure jusqu'au 6 avril au Gaumont-Marignan. Je suis en compétition, moi. Ah bon, t'es en compétition ? Pour le prix du public. Et maintenant, voici Marie-Ange Lardy. Marie-Ange Lardy, donc... C'est fini le désert, Marie-Ange. Ça y est. Les réponses sont là. T'étais où ? Elle était chez le coiffeur. Voilà, elle était chez le coiffeur. Elle n'est plus dans le désert. C'est fini. C'est le grand retour de Marie-Ange Lardy. Donc, Marie-Ange Lardy, présentatrice de Qui est qui, de Pyramide. J'avais Marie-Ange Mardi, moi. Marie-Ange Lardy.
Élue animatrice préférée des Français, voilà. Et puis vous aviez disparu du petit écran depuis l'été 2002. C'était comment ce placard alors? Ça s'est finalement bien passé parce qu'il s'est passé des choses vachement intéressantes dans ma vie. Vous avez fait quoi? Vous avez profité? Parce que lui, pendant les 3 ans, il a rien foutu. Hein, moi, j'ai fait un bébé. Et ça, bien sûr. Ah, franchement. Ça. Si vous n'étiez pas revenu à l'antenne naturellement, est-ce que vous auriez fait la ferme de TF1 pour vous remontrer? Allez savoir. Si on a vraiment besoin de sous, ouais, après bah tout. Oui. Hein, bon, je suis pas sûre, malgré tout. J'aurais déjà essayé de trouver un autre poste, peut-être. Mais même bon. Si c'est pas devant les caméras. Ouais. Mais en désespoir de cause, vous auriez fait la ferme de TF1. Je crois pas. Je crois pas, ouais. Enfin, finalement, Marie-Ange, tout ça, ça s'est bien passé. Mais si on revient un petit peu sur votre émission de la télé, vous allez nous dire qui est qui, hein. C'est quand même la grande question qu'on a envie de vous poser. Marie-Ange, qui vous a mis au placard? Mais je ne sais toujours pas. Qui vous a remis à l'antenne? Eh ben, les mêmes, apparemment, hein, puisque ouais. Je reviens dans l'unité de programme de jeux, divertissement, tout ça, donc ça dépend. Mais avant, il y a eu Frédéric Mitterrand, quand même. Ah oui, ça c'est une autre histoire, ça c'est sur TV5, ça c'est génial de travailler avec lui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis octobre 2003, avant de revenir sur France 2, sur TV5, Marie-Ange Nardi et Frédéric Mitterrand présentent 24 heures à... Alors c'est chaque fois une ville différente. Ça doit être bien, ça, pourquoi on ne le regarde sympa, pas hein. Mais oui, pourquoi vous Lisbonne, ne regardez pas? Il y a eu Lisbonne, il y a eu Tunis... Et le prochain, c'est Bangkok, en plus, c'est sympa. Que des capitales. Ouais. Mais oui. Vous faites une joie d'aller à Bangkok? Ah oui, vraiment. C'est un contre-pétri, attends. Vous faites une colle de la bourgeoise, je veux l'avoir. Non, je ne connais pas du tout, en plus. Ouais. Et puis, travailler avec Mitterrand, c'est quelque chose de très, très intéressant. Ouais. Hein. Bangkok, bon, et puis, en fait, ça fait l'émission la plus longue de la télévision, puisque ça s'appelle 24 heures. Et Le Millionnaire, c'est la plus courte, ça, puisque oui, ça fait 2 minutes. Voilà, incroyable, il y a vraiment les deux extrêmes. Oui, c'est ça. Et puis, voilà, 3 jours à... 3 jours avant le début des tournages, France 2 vous a proposé donc d'animer la nouvelle version de Millionnaire. Vous êtes plutôt grattage ou plutôt tirage, vous, comme fille? Les deux, franchement, oui. Il faut voir un dermato. Non, les deux. Ouais. Heureusement qu'ils ne vous ont pas demandé de présenter Morpion, quand même, non? Non, c'est vrai. Non, Thierry, tu vas trop loin. Bon, mais j'arrête alors. Non, c'était bien, tiens. Ouais, c'est gentil. Merci, Laurent. Je vais pouvoir revenir quand tu veux, quand je veux, grâce à ma carte de... Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été attaqué par un lion sur le plateau, là? Vous vous souvenez, vous? Ça fait un petit moment maintenant, 5 ans à peu près. C'est terrible, cette histoire. Hein. Comment ça s'était passé? Ça s'était passé qu'on me dit... C'était une émission en direct, hein, ouais, sur les plages. Donc, on me dit, demain, il y aura un petit lionceau avec nous. Donc, bon, de cette taille à peu près. Et puis, comme ça se fait en direct, il n'y a pas du tout de répète. On arrive au dernier moment. Et l'émission a déjà démarré. Donc, quand j'arrive sur le plateau... Et j'arrive, je vois qu'effectivement, le lion est quand même conséquent, quoi. C'est on va dire, un jeune adulte. Ouais. Mais ce qu'ils appellent encore lionceau... Un juvénile. Hein, voilà. Mais c'est comme si on te disait un type de 18 ans, 17 ans et demi, il n'est pas dangereux. C'est pas encore un total adulte. Il bande déjà, hein, oui. Tu l'entends. C'était le cas du lion. J'ai pu le constater. C'est tout le problème. Ouais. Et puis donc, quand j'ai vu ça, j'ai été un peu en recul. Et puis, bon, le dompteur me dit de venir avec le chroniqueur. Comme Maria. Ouais. Comme. Et vous y allez, vous? Bah oui, j'y vais, oui. Je me dis, ils savent ce qu'ils font. Vous l'avez revu, le lion? Non, jamais. Non, en fait, malheureusement... Dans la jungle, le lion est mort ce soir. Ils l'ont tué? Non, c'est pas vrai. Il est resté sous surveillance. Ah. Oui, parce que quand un animal vous attaque, c'est ça. Il reste sous surveillance pendant assez longtemps pour savoir s'il peut manifester une agressivité vers un autre être humain. Mais tu avais déjà eu un problème avec un ténia au point de 70 ans. C'est dangereux, les animaux, non? Oui, c'est juste. J'aurais dû me méfier. Alors, au-delà de TV5 et de Millionnaire, vous avez l'ambition, Marie-Ange Nardi, de créer une émission de psychologie à la télévision. Ça vous intéresse, la psychologie? Là, vous avez étudié la psychologie quand vous étiez à Marseille, hein, oui, avant d'être envoûté par la télévision, non mais c'est vrai? Oui, ça m'intéressait. Maintenant, je crois qu'il y a quelqu'un qui le fait assez bien, c'est Maïtena Birabin qui a fait cette émission. Et en revanche, maintenant, j'ai changé d'avis parce que je ne suis pas sûre que les thèmes qui nous passionnent et qu'on puisse trouver passionnant dans la vie fassent forcément de bonnes émissions de télé. Bon, on va voir, hein, on va faire une interview psy. Marie-Ange, alors, c'est une interview psy. Est-ce que vous êtes mytho? Non, pas du tout. Non. Non, alors vraiment pas du tout. Pas du tout mytho. Enfin, l'histoire du lion, on n'a jamais vu les images. Est-ce que vous êtes mégalo? Non plus.
Non plus. Non. Vous êtes parano? Un soupçon. Ah, pas trop? Pas trop, non. La preuve, ouais. 2 ans et demi de placard sans savoir pourquoi. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Hein. Vous êtes schizo? Un petit peu. Il y a 2 Marie-Ange Nardi. Il y a une qui est bien coiffée. Mais elle est magnifique. C'est vraiment n'importe quoi. Elle a été chez le toiletteur, elle ne veut pas le dire. Non, vous êtes très bien coiffée. Et c'est, j'adore les créoles en plus, moi. Ouais. Bon. Donc un peu schizo quand même. Oui, un petit peu, oui, oui, oui. Enfin, disons que c'est un personnage à plusieurs facettes. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a celle qu'on connaît à la télévision, comme ça, l'animatrice préférée des Français. Et puis l'autre facette, c'est quoi? C'est quelqu'un peut-être un peu plus fou que ce que les gens imaginent. Mais volontiers. Mais bien enfin, sûr. J'en ai l'impression. Ça hein, se traduit comment, cette folie? Oh non, dans plein de choses. Hein. Ah, d'angoisse, pas forcément que des bonnes choses, hein, pas que de la bonne folie. Ah bon, ah bon. Non, non. C'est pas que sexuel? Non, pas que sexuel. Ah, mais je comprends rien. Alors, oui. Ouais. Est-ce que vous êtes cyclo? Un petit peu, mais je ne le fais pas vivre aux autres. Ah oui, c'est bien. Hein. Ce soir, vous êtes plutôt en haut, ça va? Oui, ça va. C'est plutôt bien, oui. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes maso? Non, pas vraiment. Vous n'aimez pas qu'on vous fasse mal? Non. Non, non, je peux m'énerver assez fort. Parce que je ne suis pas agressive, mais en revanche, il ne faut pas venir me chercher. Pendant l'amour, par exemple, si un mec fait mal, ça... Ah, ça, c'est pas la griffer en ce moment. Oh, non, mais je n'avais pas compris. C'est interview psycho, mais uniquement sur le plan... Dodo. Il voudrait passer le mot clito, il essaye. Non, mal non, mal non, un vrai mal. Tu vas le placer avez... ton clito, vas-y, bats-toi, Thierry, bats-toi. Je ne l'ai pas, clito. C'est dommage. Je te jure, je ne l'ai pas. Non, j'ai sado, vous aimez bien faire mal? Non. Ah bon? Non. Sado, maso. Il y a un peu pour maso, pas du tout pour sado. Là, j'en ai une, effectivement. Est-ce que vous êtes nympho? Qu'est-ce que vous entendez exactement par nympho? Une femme qui ne peut pas se passer du sexe de l'homme, qui en a besoin jour et nuit, tous les jours de la semaine. Vous voulez dire par rapport à un homme ou... Non, non, à tous les hommes. À tous les le hommes. Terme où on l'entend habituellement, non, nympho, c'est voilà, pléthore voilà, d'hommes. Voilà. Non, pléthore d'hommes, non. Non. C'est quoi le vous chiffre êtes, alors vous êtes nympho avec à un partir seul de mec. Combien, c'est pas pléthore? Oui, c'est ça. C'est très relatif à chaque individu. Mais c'est mon chiffre, je ne peux pas le donner. C'est, chiffre. C'est mon chiffre porte-bonheur, je ne le livre pas comme 7. Le 240. Vous êtes exibo? Non. Ah, pas du tout? Non. Vous êtes lesbo? Non. Non. Ah ouais? Ah ben finalement, oui. Trio? Non plus. Non plus. Géronto, vous aimez bien dire? Non, mais je n'ai pas encore essayé non plus tout ça. Il faut essayer, Marie-Ange. Enfin, mais c'est un appel que vous me faites. Ouais. Est-ce que vous êtes branché par les quinquagénaires? Les quinquagos. Hein? Ça va, toi? Est-ce que vous êtes obispo? Je l'ai été plutôt au début. Mmh. Mais de moins en moins. Vous en êtes sorti? Oui. C'est bien. Bravo. J'ai bien fait. Ouais, c'est dur, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais il y a des patchs maintenant, je crois. Vous êtes Rocco ou Chamallow? Ah non, Rocco alors. Ah, Rocco. Au revoir, Thierry. Marie-Ange Nardi, le millionnaire. Et TV5 bientôt, 24 heures à Bangkok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait 17 kilos. Bah, c'est Patrick Sébastien qui l'a gagné, mais comme il l'avait déjà, il m'a offert celle-là. Ouais. Et moi, je la mets en vente pour l'Abbé Pierre, donc pour Emmaüs France. Ouais. Comme tu as fait une enchère la semaine dernière de 3 500 € pour mon dessin. Oui, je ne savais pas combien ça faisait, en fait. Et, ça fait dans les 20 000 et quelques, non? 23. Voilà, 23, c'est mon chiffre fétiche. Mais moi, je porte l'enchère à 3 500 €. Si personne l'achète, je l'achèterai à ce prix-là. D'accord. Mais voilà. Comment t'as dit? Ah bah, c'est pareil, c'est 23 000 francs. Voilà, 3 500 €. Mais là, c'est une enchère. Il faut que les gens pianotent sur Internet. Oui, ben les gens, voilà. Ça peut monter, tu vois, il y a des sociétés qui sont blindées et qui voudraient acheter ça pour 1 ou 2 millions d'euros. Bien sûr. Pour donner à Emmaüs. En démol, oui. Oui, tous ces gens-là qui sont blindés, bien sûr. Réservoir. Non, mais c'est pas mal, hein. Donc, c'est au profit de l'Abbé Pierre, il faut bien le dire. Emmaüs France, le chèque. Emmaüs France. Emmaüs France, d'accord. 3 500 €, voilà. Enchère de départ. Voilà. D'accord. 22 958,50, me dit Frédéric. Merci, Frédéric. Elle sait faire la... La conversion immédiate. 4 000. Bravo, moi. Tu ne commençais pas, tous les deux. Ah, il a dit 4 000. Bravo, Fabrice. Bravo. Bravo, Fabrice. Bravo, Fabrice. Moi, je vais te dire, j'ai essayé d'arrêter en ce moment, parce que la semaine dernière, je m'en suis collé pour 3 500 € déjà. 4 500.
Alors, le numéro donc, auquel vous pouvez enchérir apparaît en bas de l'écran. Magie de la télévision, hein, France2.fr, bien sûr. C'est ça, et un indice chez vous. Et un indice chez vous, voilà. Bien. J'accueille maintenant Dominique Dessaigne. Dominique Dessaigne, bonsoir. Bonsoir. Marie-Ange Nardi, Virginie Desarnaud, Fabrice Thiozo, champion du monde WBA, Laurent Baffy. Futur voilà. Champion. Il était d'accord pour que je prenne sa place? Oui, oui, il n'a pas fait de... Parce que sinon, je me mets non, il n'a pas fait de discussion, d'accord. Là, ça va. Non, okay. Non, il est calme, là, ça va. Entre deux combats, il est bien. Hein. Ouais. C'est quand il est sur le ring qu'il s'énerve. Mais là, il est surveillé, là. Il n'est pas trop sonné, ça va. Dominique, bientôt 60 ans. Hein, enfin, le 19 août 2004, vous aurez 60 ans. Vous êtes plutôt bien pour 60 ans, plutôt bien conservé. On essaye. Malgré les épreuves que vous avez traversées, dont on va parler. Vous êtes veuf de Diane Barrière, avec qui vous avez eu deux enfants, Alexandre, 17 ans aujourd'hui, et Joy, 11 ans. Alors, qui était Diane Barrière, pour nos amis téléspectateurs qui ne la connaîtraient pas? C'est la deuxième fortune de France. Elle était l'héritière de son père adoptif, Lucien Barrière. Et le groupe Barrière, donc, que vous dirigez aujourd'hui, est un fabuleux empire de luxe, hein, avec des casinos, des palaces, enfin, c'est... Beaucoup d'affaires. Hein. Oui, des responsabilités, ouais. Mais en même temps, un challenge formidable. Des beaux et puis, endroits, ouais. Ouais. Continuer l'œuvre de la famille. Alors, quand vous rencontrez Diane Barrière, à l'époque, vous êtes notaire. Hein, et puis, après l'accident de votre femme, dont on va parler, vous devenez patron du groupe et usufruitier du groupe que vous pensez transmettre à vos enfants. Donc, vous êtes en fait là... comme un régent, on pourrait dire. Non, voilà, pour la quatrième génération. Voilà, c'est ça. Alors, d'ailleurs, récemment, vous avez pris une grande décision, c'est de fusionner le groupe Barrière avec le groupe Accor. Vous gardez Accor bien Casino. Sûr... Accor Casino. Accor Casino, voilà, et vous gardez 51% des parts, mais ça donne quand même le premier groupe de casino en France, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Beaucoup d'argent. Alors ce soir, ce n'est pas le flamboyant patron que nous recevons, mais l'homme blessé, celui qui publie chez Plon un livre qui s'appelle « Tout pour être heureux », où vous racontez l'accident et les suites de l'accident dont a été victime votre épouse. C'est un livre poignant, très très bouleversant, dont je conseille la lecture à tout le monde, parce que c'est une vraie leçon de courage. Vous précisez d'ailleurs par ailleurs, Dominique Dessaigne, que les droits d'auteur sont versés à l'association « Un bouchon, un sourire », présidé par notre ami Jean-Marie Bigard. Bravo. Jean-Marie Bigard, il a enfin un entrepôt à Paris, dans le 19e. L'adresse va s'afficher en bas. Comme toujours, ça, tous les gens dans le 19e, ils pourront porter leur bouchon à Paris, voilà. Dans un local. Jean-Marie est un homme de cœur. Et déjà, sous l'égide de ma femme, le groupe s'est associé à... sa fondation, la collecte de bouchons, ça permet d'acheter des fauteuils de tétraplégiques. Et quand on a cette triste expérience, on sait que ça casse, hélas, souvent, et que la sécurité sociale ne peut pas tout rembourser, et que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des moyens financiers comme les avait ma femme, se trouvent, en plus du handicap, dans le besoin de se racheter un fauteuil qui a cassé. Donc, bravo Jean-Marie, et c'est un homme de cœur. Merci. Alors, au début du livre, Dominique Dessaigne, vous dites on s'aimait, elle était jeune, elle était belle, elle était vibrante, elle avait tout. Et quand on nous voyait, c'était toujours la même phrase, qui est d'ailleurs le titre de votre livre, « Ils ont tout pour être heureux ». Aujourd'hui, quand je repense à ça, ça me flingue, quoi. Ça me fout les larmes aux yeux, ça me flingue. Bah, je dois dire que c'est vrai que la vie continue et elle doit continuer, surtout quand on a deux enfants fantastiques. Il faut ne pas oublier. Et le meilleur moyen de ne pas oublier, c'est de mettre par écrit ce qu'elle a vécu, ce que j'ai vécu. D'abord pour mes enfants, parce que, comme tous les enfants, ils se protègent. Et aujourd'hui, quand je parle de maman, je n'ai pas beaucoup d'écho. C'est normal. Ça a été trop dur, trop douloureux, trop... Ça a été... Ils étaient jeunes, hein ? Très jeunes. Ma petite, ma Joy, était un bébé. Elle avait 4 ans. Le fils, un peu plus âgé. Et donc, ne pas oublier, c'est essentiel.
Et puis j'ai fait aussi ce livre pour toutes les familles qui, hélas, seront un jour dans le malheur, pour leur dire que même quand il y a le pire, avec de l'amour, avec des amis, avec des médecins, parce qu'il y a eu des gens autour de nous, une équipe médicale extraordinaire, eh bien, il y a eu des moments de bonheur, de gaieté, de bonheur différent de ce qu'est le bonheur des autres, mais des moments de bonheur très, très forts. Et puis, le paradoxe, je l'avoue humblement, mais le cachet ne serait pas honnête, c'est par moments elle qui me remontait. Ouais. Et elle me disait, j'ai beaucoup de chance. J'ai un mari, j'ai ma mère, j'ai un groupe magnifique, deux enfants superbes, des collaborateurs prestigieux, un métier extraordinaire. J'avoue, j'ai beaucoup de chance, je ne sais pas comment elle faisait pour le prononcer. Je pense qu'elle voulait dire que par rapport aux autres qui avaient ça sans fortune, c'était ça sa chance. Permettez-moi de dire que 6 ans, je ne sais pas comment elle a tenu. Et je crois qu'un jour, elle a voulu arrêter et qu'elle s'est en allée sur la pointe des pieds parce qu'elle pensait que ça avait trop duré. On va raconter l'histoire. C'est un dimanche de juillet 1995. Votre épouse, donc Diane Barrière, vient de Saint-Tropez à La Baule dans un petit avion. Et l'avion s'écrase dans un champ. Le pilote et le copilote sont morts et votre femme est sortie des flammes, in extremis, d'ailleurs on doit dire. État très grave, d'abord on l'emmène à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, puis ensuite à l'hôpital de Bordeaux. Et là, vous refusez de la laisser, vous refusez d'aller vous coucher. Vous dites, je vais rester là et puis j'attendrai toute ma vie s'il le faut. Oui, parce que quand ça vous tombe sur le dos, elle était dans le coma, donc j'étais seul avec ma lucidité. On se dit, mais c'est pas vrai, ce cauchemar. Mmh. Et puis, j'ai appris une grande chose, c'est que dans des épreuves pareilles, il faut vivre au jour le jour. Ouais. Et si on se projette, on meurt. Donc, j'avais un but dans cette attente, la mort... elle a été perpétuelle pendant 6 ans. J'étais... Il n'y a pas un jour où je ne tremblais pas. Il n'y a pas un jour où je ne me disais pas « ça va arriver quand je suis au bureau, ça va arriver quand je suis en voyage ». Et d'ailleurs, c'est arrivé, j'étais en voyage. Donc le portable, pour moi, était une souffrance terrible parce que le portable... Chaque fois qu'il sonnait... C'était la crainte. Et je crois qu'il ne fallait pas se révolter. Elle ne s'est jamais révoltée. Elle a toujours cru au karma. Je crois qu'elle a accentué cette croyance. Et elle me disait, ça m'aide à accepter. Et elle disait, je paye sans doute une vie antérieure, quelque chose de mal que j'ai fait dans une vie antérieure. Mais je lui dis, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, ça m'aide. Et cette acceptation, elle nous l'a propulsée, elle l'a insufflée à ses amis. Et elle a voulu se battre. Donc là, évidemment, le diagnostic tombe. Poumons calcinés, les alvéoles emplis de fumée, brûlure au 3e degré, les bras et les jambes, les côtes et le bassin cassés. Alors, comme vous dites dans votre livre, c'est des choses qui, prises séparément, ne sont pas ultra graves, mais quand c'est tout en même temps, effectivement, ça prend des proportions absolument terribles. Et quand vous pouvez enfin la voir à l'hôpital de Bordeaux, elle a le visage qui a doublé de volume. Et vous parlez en disant, on dirait une statue de cire. Oui, parce que quand on a un choc pareil, le visage enfle, les bandelettes partout, la fixité, puisque le coma, après entubé, après la trachéo, enfin, toute une superposition de drames. Mais Un des merveilleux médecins que j'ai eu, Gérard Saillant, bien connu des sportifs, m'avait dit un jour, me voyant complètement défait, il m'a dit, tu sais Dominique, l'être humain s'adapte à tout. Et j'avoue, au début je me dis, mais qu'est-ce que Gérard me raconte, tu déconnes. Et quelques années plus tard, sur la fin, Diane m'a dit,
me voyant complètement angoissé, parce que moi, les médecins me disaient la vérité. Mmh. Et elle m'a dit, tu sais, chérie, on s'adapte à tout. Ouais. Donc là aussi, c'est un message à faire passer. Et je voulais faire une incidente sur le drame de Madrid. Mmh. Aujourd'hui, dès que j'ai connu ce drame, j'ai été très attristé pour les 200 morts, mais ma pensée, elle est allée pour les familles, ouais, et pour les handicapés. Parce que je sais ça, et si mon livre peut les aider à se dire que dans l'ouverture récente d'un drame qui sera un drame familial, un drame des amis, s'ils peuvent, à la lecture de mon livre, se dire que malgré tout, il y a du bonheur, malgré tout, il y aura des moments de rire, malgré tout, il y aura des moments où on est heureux d'être dans la vie, je crois que je leur aurai rendu service. Ouais, merci. Alors, à partir de là, Dominique de Seine, vous racontez toutes ces péripéties, le médecin qui vous appelle un jour en vous disant « elle a 42,7 de fièvre », ce qui est absolument impossible, vous dites tout se détraque à 42,7. Plus grave, on parle à un moment d'amputation des jambes, alors là vous dites « je rentre chez moi, je me mets la tête sur l'oreiller, j'enfonce ma tête dans le pelochon, je mords le pelochon avec mes dents, je me mets à hurler comme un chien, je suis seul ». Et toutes ces épreuves, vous les passez tout seul. Épreuve incroyable. Après, bon, on ne lui coupe pas les jambes, mais personne pense à vous le dire. Donc, vous vivez comme ça. Je vis la journée comme toute ça. Toute une journée en pensant qu'on va l'amputer. Ensuite, bien plus grave encore, compte tenu des brûlures au visage, les médecins se disent, mais on ne pourra jamais faire de la chirurgie réparatrice parce que c'est trop brûlé. On parle d'un masque. Il dit, nous avons des masques. Et vous imaginez un moment que votre femme va être obligée de porter, ouais, un masque toute, ouais, sa vie. Courage incroyable. Le sport. Vous courez beaucoup, oui. Parce que ce qui vous aide, vous vous défoncez dans le jogging. Hein, oui. C'est ce qui vous aide à tenir. Ouais. Le sport m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je pense que si je n'avais pas été sportif, j'aurais pu devenir fou. Mm. Parce que je suis d'un tempérament de nature angoissé. J'y peux rien, c'est comme ça. Et quand sans arrêt, on est dans l'angoisse de dire quand ça peut arriver. À tout moment, c'est dur de vivre, ouais, longtemps comme ça. Et j'avoue que j'avais moins de force qu'elle, mm, et que je ne sais pas comment elle a pu se mettre dans cette vie. Et je voulais insister sur un point qui est extraordinaire. Ces grands moments de bonheur, elle les avait bien sûr en famille, mais elle les avait dans le travail. Oui. Et c'était phénoménal de l'avoir travaillé. Alors que la réinsertion des handicapés par le travail, j'en étais moins conscient, mais aujourd'hui, c'est primordial. Oui. Je l'ai vu se sublimer dans le travail, dans son fauteuil. Il fallait positionner les mains parce qu'en plus, elle avait... La moelle n'était pas coupée, ce qui veut dire qu'elle avait toutes les douleurs. Mmh. Était en souffrance sans arrêt, 6 morphines par jour. Et dans le travail, tout d'un coup, c'était une autre Diane. Et avec un cerveau très agile toujours. Hein. Oui, ouais. Mais, les handicapés moteurs notamment, elle a toujours été extrêmement intelligente, extrêmement brillante, et les handicapés compensent, et l'agilité du cerveau est encore plus grande. D'ailleurs, par moments, surtout au début, quand pendant des mois, elle ne pouvait pas parler, puisqu'elle était dans le coma, et quand la période est longue, il faut réapprendre à parler. Et nous avions un code. Quand elle est revenue à elle, après plusieurs mois, il y avait les paupières, les clignements d'yeux, et on s'était donné un code, et il y avait... les claquements de langue, et quand elle est très fatiguée, elle ne pouvait pas claquer la langue, c'était elle sortait la langue. Ouais. Et on utilisait aussi un alphabet où on essayait de recomposer les messages qu'elle voulait me faire passer. Et moi, j'étais paniqué. Et elle a toujours eu un regard très perçant, très beau. Ouais. C'était une femme forte. Hein. Alors, et je sentais que par moments, elle se disait « Mais il est con, mon mari, mais il est con !» Bon sang. Ouais.
alors, et maintenant, je m'en souviens avec... C'est un bon moment. Ce qui est terrible, Dominique, c'est que vous, effectivement, vous établissez avec elle un contact à travers les battements de paupières, mais comme elle avait été brûlée, elle ne pouvait pas fermer complètement les yeux, sa cornée était atteinte et elle risquait de devenir aveugle. Voilà, à ce moment-là, on lui coule les paupières. Et pour vous, c'est terrible parce que le seul moyen que vous aviez de communiquer avec elle, à certaines périodes, il y avait soit du sparadrap, soit les paupières cousues. Soit au début, soit avec des sparadraps. Et quand il n'y avait pas la parole à cause de la ventilation ou de la trop grande faiblesse, le contact, c'était les yeux, surtout avec son regard perçant. Puis on se connaissait tellement. Et tout d'un coup, je perdais tout contact avec la vie, puisqu'il y avait l'immobilité. Et puis ce regard perçant, ce beau regard bleu-vert qui disparaissait. Et c'est pour ça que je dis, l'œil était à moitié dans la tombe. Et c'était terrible. Comme Victor Hugo, oui. Et alors, elle vous parle à un moment. C'est-à-dire, un soir, vous êtes allé accompagner vos enfants en vacances, au ski. Et elle vous appelle sur le portable et vous entendez, vous dites un son rauque venu du fond de l'être. C'est-à-dire qu'elle dit votre surnom, je crois qu'on peut le dire, parce que vous le dites, elle vous appelait Bouchougne. Elle trouvait des petits noms à tous ses amis. Et là, vous entendez ce mot prononcé de très loin. Très loin. Et c'était la première fois, après des mois et des mois de silence, et tout d'un coup, un son. Un petit son à cause de la trachéo. Et alors là, j'ai pris ça comme une droite en plein visage, une émotion énorme et un choc de bonheur, mais on accuse le coup. Mais vous avez été exemplaire parce que, à cause de la trachéotomie qu'on avait dû lui faire, parce que vous la nourrissez à la petite cuillère pendant des mois. Pendant 9 mois. Voilà, et vous apprenez l'usage de ce qu'on appelle la nouille. Moi, je ne savais pas que ça existait. C'est-à-dire, c'est un tube qu'on met... Par la trachéo, c'est un trou ici. Un trou ici. Une fois qu'on est entubé trop longtemps, on est obligé d'enlever le tube et on fait une trachéo. Et là, il y a tout un système où on ventile. Et ça s'obstrue souvent. La nourriture fait ce qu'on appelle des fausses routes et on s'étouffe. Donc, il n'y a pas de cours pour ça. Donc... quand vous prenez votre femme à la maison, parce qu'il faut rentrer dans la vie, il faut tenter le coup, équipe médicale, 6 personnes, enfin... Mais quand il y a un pépin et que vous êtes seul... C'est vous qui vous y collez, Oui, et puis on a peur d'eux. Dans ces moments-là, vous n'avez jamais eu envie de vous foutre en l'air, de disparaître? J'y ai pensé. Mais attendez, je ne peux pas, j'ai ma femme, mes enfants, des responsabilités... Mais par moments, je me dis, mais c'est un cauchemar pour elle. Et puis, je me dis, bats-toi. Et là aussi, la gagne, tu t'accroches. Et aujourd'hui, je lui dis merci pour le bel exemple qu'elle m'a montré. Et j'espère qu'avec ce livre, mes enfants comprendront mieux ce qu'était leur mère. Et qu'ils en sortiront grandis, même si aujourd'hui, on fait ce qu'on peut, mais ce n'est pas simple. Alors un jour, Diane finit par rentrer à la maison, mais enfin, elle n'est pas bien. Donc 6 piqûres de morphine par jour. Elle refuse les miroirs, évidemment. Et un jour, elle se voit dans un verre dépoli. Elle a une phrase qui m'a fait très mal. Parce qu'elle était jusqu'au bout coquette, elle était femme, elle était jusqu'au bout. Malgré le pire, elle ne descendait jamais dîner quand elle pouvait descendre. C'était pas, hélas, pas tout le temps. Sans se faire vraiment le petit foulard pour cacher la trachéo, la boucle d'oreille pour plaire au mari. Elle pouvait peut-être pas parler par moment, mais elle descendait. Et puis, tout d'un coup, on se trouve dans des situations dramatiques. Ça se passe pas bien pendant le dîner, sans soudain mal. Et il faut improviser, il faut rester auprès d'elle. C'est une leçon de vie. Il faut pas se révolter. Alors, le plus pathétique pour moi, c'est qu'à un moment, elle vous dit qu'elle veut avoir un autre enfant, un troisième enfant, in vitro, bien sûr. Et là, c'est terrible parce que vous... J'ai eu deux moments où j'ai dû mentir.
honteusement. Un, le jour où elle revient de Garches et j'ai dû faire tout adapter dans la maison, elle rentre dans sa salle de bain, toujours poussée et dans un état. Et tout d'un coup, elle voit qu'il n'y a pas de toilette, qu'il y a un trou pour la douche, juste un lavabo. Et là, je sens que dans le regard que je suis à la limite en train de me faire engueuler. Ouais. Et que je ne peux pas lui dire que les médecins m'ont dit que ce n'était pas la peine, qu'il fallait que je fasse de l'adapter. Ouais. Parce que quand on est dans ce drame, on vous douche sur le fauteuil et... Ouais. Et bon, dur, dur. Et j'ai dû dire, les travaux, là, il y a eu un loupé. Bon, ouais. On fait avec, donc j'ai menti. Et puis, il y a eu d'autres situations où j'étais dans... Mais quand elle vous dit qu'elle veut un enfant, vous faites quoi? Vous lui dites quoi? Alors, pour moi, je ne pouvais pas lui dire... C'est inconcevable. Un, d'abord, tu peux en mourir. Deux, tu n'arriveras pas à en avoir. Trois, ce n'est pas un cadeau pour le petit. Parce que, bon, donc, il faut gagner du temps. C'est ce que j'ai essayé. C'est comme ça que vous avez réagi, oui. Oui, et j'ai joué ce qu'on appelle jouer la montre. Ouais. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, la fécondation in vitro, on va voir, mais les deux autres vont être jaloux, est-ce qu'il y a à penser? Bon, j'ai joué la montre. Ouais. Et le temps a dû faire les choses. Ça a été d'autant plus douloureux qu'avant qu'elle soit handicapée, j'en voulais un troisième, et elle était pas très chaude. Et puis tout d'un coup, pof, c'est revenu. J'ai fait ce que j'ai pu. Je crois que j'ai trouvé les mots, le temps, ça a apaisé. Ouais. Bon, alors après, elle veut tenter un traitement aux USA. Elle y va, elle rencontre d'ailleurs Superman, Christopher Reeve, qui lui aussi est et alors, handicapé. Elle est, alors, elle s'est débrouillée, donc elle est allée voir Christopher Reeve. Moi, j'étais à New York, mais elle y est allée. Elle revient. Et là, encore son côté formidable, dire j'ai beaucoup de chance, parce qu'il faut le dire, j'ai beaucoup de chance. Hein. Parce que dans son état, si elle n'avait pas eu les moyens de se payer tout le staff autour, elle serait morte depuis longtemps. Ouais. Au lieu de 6 ans, ça aurait fait 1 an. Hein. Ouais. Ça, il n'y a pas photo. Et elle était toujours avec songer beaucoup de chance, et elle me dit, Christopher Reeve, il est beaucoup plus mieux que moi, chérie, beaucoup mieux. Bon, alors je dis, pourquoi? Ben elle me dit, il est sanglé dans son fauteuil, j'arrive à tenir. Bon, c'était bien, elle pensait aux autres avant de penser à elle. Voilà, malheureusement, le traitement ne réussit pas. Oui. Elle a été tellement dans le coma, j'ai dit 7 fois aux enfants que maman allait mourir sur le conseil des médecins pour les préparer. Et la dernière fois où elle s'en est sortie, ça a été sur la corde raide pendant 15 jours. Et moi, je m'étais dit, allez, on va se battre. Donc, j'avais fait enregistrer par les enfants des mots d'amour. C'était, maman, accroche-toi, on t'aime. Ouais. Maman, on a besoin de toi. Maman, ne nous quitte pas. Et j'allais donc en réa à Lourdes la voir tous les jours. Et je passais ma cassette. Ouais. En me disant, parce que dans l'au-delà, on m'a toujours dit ceux qui étaient revenus, qu'on entendait. Bon, et après, elle s'en est sortie cette fois-là. Et je lui ai parlé de ça. Elle m'a dit, j'ai eu l'impression d'avoir entendu les enfants qui me parlaient. Et elle disait avec fierté et coquetterie, j'ai donné la vie à mes enfants, ils me l'ont rendue. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Dominique de Seigne, ça s'appelle « Tout pour être heureux, un destin fracassé ». Et c'est édité chez Plomb. Alors évidemment, la question, c'est pourquoi cet accident? Alors quand on lit votre livre, on apprend d'abord que le plein de petits avions qui allaient de Saint-Tropez à La Baule, le plein n'était pas fait. Il y a eu des erreurs de pilotage et cette petite compagnie n'avait pas d'autorisation
pour transporter du public. Alors, la question, c'est comment quelqu'un comme elle, qui quand même a les moyens, qui passe son temps à voyager d'un côté à l'autre de la France, parce que le groupe Barrière, c'est partout, comment quelqu'un comme elle peut monter dans un avion comme bien ça? C'est ça la question qu'on se pose. Nous avions pris avec mes enfants, toute la famille, cet avion qui était très bien, très bonne qualité d'avion. Ça s'était parfaitement passé. Ouais. Et ensuite, c'était une compagnie qui était régionale, recommandée par la Chambre de commerce. Mmh. Ce qui veut dire que, bon, première expérience, superbement bien passée. Donc, pourquoi pas, ouais. Voilà. Et puis, est arrivé ce drame. C'était, en fin de compte, du transport illicite. Ouais. Et la gendarmerie qui avait dressé un procès-verbal antérieurement, notant que c'était du transport illicite, ça n'avait pas suivi. Ce qui veut dire que, double drame, quand elle est revenue après de longs mois en état d'essayer de comprendre le pourquoi, elle m'a dit « je veux savoir, je veux que tu fasses ce qu'il faut ». Et nous attendons une réponse depuis 7 ans. Vous avez, même vous, qui est un homme important, influent, vous n'arrivez pas à obtenir une réponse. Ben, on est en procédure. Ouais. Alors, j'imagine ce que gens c'est pas pour de les avocats. Oui, ça, vous pouvez et dire, ce oui. combat, ouais. je le fais pour ma femme, parce qu'elle m'a demandé de le faire, mais je le fais aussi pour que le transport illicite en France ne soit plus accepté. Bien c'est sûr. Trop grave. Alors, Dominique de Seigne, avant de nous séparer, je voulais vous demander, est-ce que vous croyez en Dieu ? J'ai beaucoup prié Dieu pendant cette épreuve. J'avais une Sainte Vierge en face de moi que m'avait offert un ami. Et je dois dire qu'à un certain moment, au bout de plusieurs années, chaque fois que je priais, c'était pire. Alors, je crois toujours en Dieu, mais il y a un moment, j'ai arrêté de prier Dieu. Ouais. Et puis maintenant, quand ça ne va pas, je l'appelle. Je me dis que la connaissant comme elle est, elle doit être pas loin du bon Dieu. Et je lui dis, j'ai fait ce que j'ai pu, avec mes faiblesses, parce que je n'ai pas été parfait. Qui est parfait ? Mais je l'ai fait avec mon cœur, c'était beaucoup normal. Courage aussi, hein. Avec mon courage. Mais j'ai pas. Quand on fait avec son cœur, c'est facile. Et je dis, je l'appelle et je lui dis, si tu pouvais me donner un petit coup de main pour moi et les enfants, ça me ferait plaisir. Voilà. Voilà, Dominique de Seigne, merci d'avoir été avec nous, Dominique. Dominique de Seigne, tout pour être heureux. Un destin fracassé, c'est publié chez Plomb. Cherchez mon sampleur, chérie. Ah, d'accord. Et maintenant... Ah. Et bien sûr, c'est Titoff. Merci. Titoff, vous connaissez Marion Genardi, ah oui. Marseillaise oui, aussi, oui, hein, oui. comme vous, Titoff. C'est une sacrée déconneuse, Marion Genardi. C'est ce qu'elle a fait. J'en ai jamais douté, non. Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce que j'ai fait Tout à l'heure, j'aurais dû vous demander, quand je fais l'interview psy, j'ai demandé l'info, clito, tout ça, mais j'aurais dû demander, est-ce que vous êtes bravo? Parce qu'avec Christine Bravo, vous avez pissé sur le central à Roland-Garros toutes les non, deux. En fait, ah ouais Christine ouais. seule a fait pipi, mais moi, j'étais pas loin. C'est vrai que t'as fait caca Maracana ou c'est la légende?
Marie-Ange Nardi. Tu connais Virginie Desarnaud, jeune talent. Vous retrouverez bientôt dans un film. Elle joue dans le... Ah, ça y est. Elle joue dans le film de Bacri. D'accord. Et bonsoir, la fiotte, tu connais? Non, putain. Vas-y, vas-y. Vas-y. Fais gaffe, Laurent. On prépare un numéro de comique tous les deux. Ouais, on essaye de trouver un sketch. Pipo et Dario. Ouais. Alors, bonsoir, Titov. Ça m'a fait mal quand même. Hein. Est-ce que... rien que l'idée, ça m'a fait mal. Il est fort. Hein. Donc, est-ce que pour faire la promo du film en question, là, L'Incruste, est-ce que, Titov, vous êtes prêt à dire que c'est votre meilleur film et que tous les autres, avant, étaient nuls? Non. Non. Est-ce que pour faire la promo de celui-là, vous pouvez dire que vous n'avez jamais ressenti avant un tel choc en lisant un scénario? Non, mais c'est vrai que le scénario, quand je l'ai lu, je l'ai regardé, j'étais pas censé le lire parce que j'étais en promo sur Gomez et Tavares l'année dernière. Mmh. Et quand je devais juste jeter un petit coup d'œil, il était 3h du matin et je l'ai lu d'un seul trait. Ouais. C'est sympa dans ce film, c'est une comédie mais il y a une jolie histoire. Est-ce que vous pourriez dire que l'ambiance du tournage était extraordinaire et que c'est une vraie famille que vous avez trouvée là? Ah oui. Vous pouvez faire quoi? Vous avez une aventure avec Zoé Félix, ça arrangerait un petit peu pour la promo du film, non? Comme dans tous les films, les quelques films que j'ai fait, en général, la nana, c'est pas moi qui me l'a fait. Ah oui, ah oui. À l'image. À l'image. Bon, ben... Non, vous pouvez dire que vous visez directement la nomination au César? Les Oscars. Ouais, les Oscars. Bah, elle est bien partie, cette promo, là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, c'est chaud. Hein. Ah, c'est du boulot, toi. Hein. Bon. Le film s'appelle L'Incruste, sous-titré Fallait pas le laisser entrer. C'est produit par Fechner. C'est réalisé par Corentin Julius et Alexandre Castagnetti. Avec vous, évidemment, ouais. puisque vous êtes là ce soir. Frédéric Diffenthal, Zoé Félix, Agnès Soral, Zinedine Soilem et Patrick Mill. Voilà, ça sort le 31 mars. Qu'est-ce qu'il y a comme film qui sort le 31 mars? Ouh là là. Il n'y a pas beaucoup de comédies, par contre. Ouais, c'est vrai. Donc, si les gens, entre les autres films, avec des sujets assez particuliers, s'ils ont envie de se changer les idées, de passer un bon moment, je pense que... il fallait voir L'Incruste. Bien, bien. Et tu as vu Laurent? Il s'améliore en promo, non? Il est bon maintenant. Tu te souviens avant quand il venait voir? Au début, il était à chier. C'est terrible. Disait... Et là, ça te donne presque envie d'aller voir le film. Il disait, allez-y, c'est pas mal. Bon, voilà. Ouais. Maintenant, tu vends mieux, là, c'est bien. Alors, le pitch, tu veux que je le fasse, le pitch? Non, si tu veux. Non, je vais essayer de commencer. Ouais. Je vais essayer de le faire. Maintenant ouais. Et puis, bon, si jamais. Alors, le pitch. Oh là là. Attention. Non, fais-le. Fais-le. Ok, ça va, je le fais. Fais-le. Il faut bien que tu arrives un jour à faire tes pitchs quand mais même. Je vais le faire, Thierry. Ouais. Attends. Ne regarde pas comme ça, toi. J'ai jamais réussi à faire le pitch. Alors, le pitch, c'est l'histoire de... C'est L'Incruste. Mmh. C'est Paul Loumar que j'interprète dans le film. Non, mais sérieusement, sinon, fais-le bien. Sinon, c'est pas la peine. En fait, c'est un magouilleur, un arnaqueur. Attends, tu dis je fais le pitch. C'est incroyable, il peut pas ça. En fait. Il veut le faire, en fait. Chaque fois qu'il reçoit un invité, il fait « Bon, tu veux faire le pitch ou je le fais ?» Enfin, laisse-moi le faire, vas-y. Non, vas-y, fais-le. Mon Marseillais, il a une chance. Tu veux faire le pitch? Non, bah. Alors le pitch, c'est Paul Loumar qui vit un petit magouilleur. Non, fais-le bien. Il s'inclut, ça va pas faire chier, toi. Et il a perdu ses clés de bagnole. Bravo. Là, j'ai envie. Là, t'as envie de parler, là. Donc, là, ça m'a donné envie d'y aller, là. Il cherche les clés. Là, il y a 200 000 personnes qui vont y aller. Hein. Bon sujet, bravo. N'y allez pas, c'est une merde. C'est comme ça, c'est une idée qu'on a eue. Et donc, bon, fais-le le pitch, allez, c'est bon. Quoi? Ah, ça va, fais le pitch. Bon, ben, attends, Fabrice, tu veux faire le pitch? Non, mais vas-y, je trouve qu'il fait super bien, quoi. Ah, merci. Vas-y, fais le pitch. Donc, non, il vit de petites magouilles comme ça, il s'incruste. Voilà, mais fais-le bien. Au début de l'histoire, on sent très bien que tous ses plans incrustes sont à l'eau, il est limite SDF. Et heureusement, il entend une discussion dans un café, et Frédéric Diffenthal et Alexandre dans le film. Et il chope ça, et je ne vais pas dévoiler de la façon... Il s'incruste de façon magistrale, en se faisant passer pour le cousin du propriétaire de l'appartement d'où il vit, parce que lui aussi, il ne vit pas dans cet appartement, et c'est là où ça se corse. Bon, Thierry, parce que là, on commence à rien comprendre. 97% des gens veulent que ce soit toi qui le fasse. Il s'incruste chez lui. Et là, à partir de là, bon, il va foutre la merde dans sa vie.
Et il y a une vraie histoire d'amitié. Ce qui devient intéressant, c'est que c'est une comédie, mais c'est aussi basé sur les rapports humains. Il y a c'est très top. Joli, il y a arrête, une jolie chose. J'ai filmé. Vous l'avez l'extrait ou pas là? Non, non, Thierry. Il faut refaire le pitch. Non, je vais résumer. Ouais. On refait le pitch. On refait le pitch. Alors, donc, c'est effectivement un magouilleur, un peu arnaqueur. Et alors, qui tape l'incruste... Qui tape l'incruste auprès d'un musicien qui est joué par Frédéric Diefenthal. Voilà, et l'entraîne dans une série de mésaventures, voilà. Alors, il y a quelques scènes magistrales, je veux dire aussi les scènes qui sont intéressantes. Il y a au début, quand vous faites les courses dans le supermarché, oui. Et que tu lui expliques comment on peut acheter du foie gras en payant très peu cher. Oui. C'est une scène qui est marrante, ça. C'est une scène, tu veux que je raconte? Bah ouais. Alors, c'est... Non. Ça, je l'ai vraiment fait, ça, en plus, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est un truc que t'as... C'est un truc qu'on apprend très jeune. Bah, apprendre, c'est important pour les jeunes qui nous regardent. Bah, c'est-à-dire qu'il faut décoller l'étiquette et mettre... mettons, tu prends des brocolis, par exemple, et ouais. tu colles l'étiquette des brocolis à, je sais pas, 1 euro, là, et tu les poses sur l'étiquette d'un super vin. Un super Bordeaux, il faut aider les vins français, il paraît. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Et quand tu passes à la caisse, tu payes 1 euro pour du foie gras, du voilà. Bordeaux. Et bon, au passage, il faut draguer la caissière et faire diversion. Voilà. Alors, il y a une scène aussi qui est drôle, c'est quand il arrive Diefenthal et qu'il vous trouve dans l'appartement qui est sans dessus-dessous. Hein? Tu t'en souviens de cette scène? Ça, je m'en souviens, mais je crois que c'est dans un autre film. Ça. Bon, je crois que le mieux, c'est qu'on voit l'extrait. Ah oui. Hein? On refait l'amiral pour moi. Est-ce que tu peux regarder ta caméra en disant « Magnéto Serge ». J'en ai rêvé. Ah ouais ? Magnéto Serge. Non, mais fais-le bien. Quel casse-couille. Magnéto Serge. Bon. Magnéto Serge. Dis-moi, en fait, je suis un peu emmerdé pour ce soir. Je t'arrête tout de suite. Odette, elle ne plus te voir à la maison. C'est pas rancunière, ça va quand même. Allô, Cathy ? Ouais. C'est Paul. Ouais, bah, tu vois que je te rappelle. Va te faire foutre. T'habites où maintenant ? Juste à côté, là. C'est un appartement qui appartient au parent de Christophe. Comme ils s'en servaient pas, ils me l'ont proposé. Coup de bol. Toi et ton pote Christophe, je le connais pas, mais je sens que vous allez me rendre un petit service. Bonjour, je suis Paul, le cousin de Christophe. Il m'avait dit que si j'avais besoin, je pouvais dormir chez lui quelques jours. Pardon de débarquer comme ça, hein. C'était pas prévu. Non, non, y a pas de problème. Ça a pas changé ici, hein. Ça m'emmerde, tu sais, de prendre ta chambre. J'aurais très bien pu dormir sur le canapé, tu sais. Ça dure encore longtemps, ton film. Ah ouais. T'as qu'à la prendre dans ta chambre si tu veux, je la regarde jamais de toute façon. Ah, je vais pas abuser. Mais si, je t'assure, abuse. T'as vu cette fille? Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, fonce. Tu fais le malin, t'as qu'à y aller, toi. Il y va, ce coup. Ce qui manque toi pour réussir, c'est un bon manager. Je vais m'occuper de toi, moi, tu vas voir. T'as une étiquette encore? Pomme, brocoli. Là, j'hésite. On a encore un problème avec vous, monsieur Loumar. Vous touchez 2 RMI. Ah non, ça c'est pas possible, c'est interdit. Je t'avais dit pas le foie gras. Je sais pas comment tu fais pour être aussi relax, moi. Au moins, sors-vous ce pognon. Est-ce qu'il a encore inventé celui-là? C'est rien, je t'expliquerai. Allez, bouge. C'est tout ou t'as autre chose à m'annoncer là? Tu vas encore t'énerver. Je suis pas le cousin de Christophe. T'es qui alors? Qu'est-ce que vous faites là? Elle est bonne celle-là. Je suis Christophe, c'est chez moi ici. Voilà l'incruste avec Frédéric Diefenthal, Zoé Félix et Titoff, qui est notre invité ce soir. Ça sort le 31 mars, voilà. Alors, vous êtes au sommet actuellement, Titoff, je crois qu'on peut le dire. Non, mais c'est vrai qu'après l'incruste, vous allez faire cavalcade, d'après ouais. le roman de Bruno de Stabenrath. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous essayez de maigrir en ce moment. Non, c'est vrai? Non, 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 c'est vrai qu'il faut... Il faut que je perde un petit peu. Mais, ouais. Mais ça m'a motivé parce que j'ai lu et j'ai suivi. C'est même pas le combat, c'est carrément l'histoire. Et l'histoire. C'est une bonne leçon. Et comme en ce moment, j'en prends plein avec la préparation du film Cavalcade, j'en prends des bonnes leçons de vie et ça fait pas de mal. Ouais. Surtout quand on est axé sur juste le plaisir. Et Fabrice en est bien l'exemple aussi parce que. Et le combat en lui-même, même la façon dont s'est déroulé le combat, ouais, je pense tout, que ouais. c'est des grandes leçons de courage. Et franchement, quand on dit ça, en général, le public applaudit. Quoi. Enfin, si tu veux perdre du poids... Bon, Titoff, alors ascension rapide, mais comme toute carrière, évidemment, la chute vôtre... Chute, pas si rapide que ça, alors. Et fragile, avec des hauts, avec des bas... Et on va faire une interview si... Up and down. Non, si tout s'arrête demain. Ah. Alors, Titoff,
Si tout s'arrête demain, vous allez faire quoi toute la journée? Je serais bien emmerdé. Ouais. Non, je ferai, ben, je recommencerai à faire ce que je faisais avant, rien. Voilà. Rien foutre. Des chips. Très bien, des chips, petites chips. Coca. Voilà. Ferais quoi comme boulot? Rien. Comme boulot, alors ça j'ai souvent pensé, j'ouvrirai un bar tabac, avec, je mettrai toutes les photos des gens connus que j'ai rencontrés. Ah ouais. Donc, je te mettrai près de la machine à café. Très bien. Est-ce que vous retournerez à Marseille ou c'est trop la honte de retourner à Marseille quand on a raté sa carrière? Alors, j'ai jamais vraiment quitté Marseille, mais donc j'irai à Saucé-les-Pins, pas loin, tu vois, ouais. Je le cacherai un peu. Pas loin. Tu connais toi, Saucé-les-Pins? J'ai ma mère là-bas. Eh oui. Est-ce que vous accepterez des animations de supermarché, Titoff? Hein? Bien sûr. Ouais. Près du rayon vidéo, par exemple, tu vois. Titoff, si tout s'arrête demain, est-ce que vous irez chez Mireille Dumas raconter votre chute dans 6 mois? Oui, ça pourrait être bon pour le bar tabac, ça peut être pas mal, ouais. Ça ferait de la pub. Vous taperez qui si vous n'avez plus d'argent? Diefenthal? Taper? Ouais. C'est déjà fait, hein? Ouais. Vous ferez du cinéma porno si tout s'arrête demain? Alors, le cinéma porno, en plus j'ai... T'as un nom prédestiné. Titoff aussi, ouais. 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 Moi j'ai fait un petit film, j'étais en vacances avec un petit caméscope. Mmh. Ouais. Et j'ai perdu la cassette, alors... si ça s'en va aller, ça circule sur Internet. Très joli film, ouais. Hein, c'est un lever de soleil magnifique. Esthétique. Ouais. Si tout s'arrête demain, tu tomberas dans la drogue? Alors là non, mais c'est quand même très cher, donc j'aurai peut-être plus les moyens. Rassure ta maman, hein. Dis-lui que t'as encore les moyens. Elle se pose des questions. Est-ce que ta copine te laissera tomber si tout s'arrête demain? Oh oui, je pense ça. Ouais. Tu me laisserais tomber, franchement? Oh non. Est-ce que tu ferais la ferme sur TF1? La ferme? Ouais. Oui, j'ai la main verte, je m'occuperai des cochonnes, à mon avis. L'Incruste, sorti le 31 mars. Et ça, c'est la bande originale du film qui sort le 6 avril. Et maintenant, voici Djibril Cissé. Cissé, mesdames, messieurs, le meilleur buteur du championnat de France. 18 buts en 29 journées, exactement comme Didier Drogba, voilà. You are simply the best. Alors, jeudi soir, Auxerre a perdu face à Eindhoven, sans doute parce que vous n'étiez pas là, mon cher Djibril, non? Non, je pense pas. Je pense pas. Il fallait qu'on fasse un gros résultat là-bas, donc c'est assez compliqué de jouer en Hollande demain. C'est compliqué. Dès que t'es pas là, ils perdent, hein? Non, c'est pas ça. Moi, en plus, en ce moment, je marque pas trop de buts. Donc... Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Auxerre en ce moment? Il y a des périodes comme ça où on n'a pas trop de chance et pas les résultats. Quoi. Et tu joues pas avec ses chaussures, moi, j'espère. Djibril Cissé, tout le monde le connaît, c'est le grand attaquant d'Auxerre. Ici, vous êtes là, Giroud, là, ce soir là? Ouais. Ah! Non. Ah! Non. Ah oui. En plus, tu t'arrangeras avec lui. Hein. Mais là, remarque, Guillaume, il est déjà couché là. Oui, tu as l'avantage, c'est ça, oui. Alors, il dit toujours que vous êtes à 50% de votre potentiel. Ça veut dire quoi? Ça, c'est casse-couille un peu comme remarque, non? Non, c'est. D'un côté, pour moi, c'est bien. Ça veut dire que j'ai encore de la marge de progression, que je peux encore progresser, mais. Ouais. C'est vexant quand même, non, au bout d'un moment? Non, venant de Giroud, c'est. Ouais. Ça peut être, on peut prendre ça comme un compliment. Ah, d'accord. Vous avez toujours ces problèmes de tête, là? Parce qu'il a des problèmes... il mesure 1m quoi, 83, non? 82, ouais. 82, et toujours ces problèmes de tête, hein? Ouais, c'est pas le fait de prendre les ballons ou pas, parce que j'arrive à les prendre. C'est plus... C'est les prendre au bon endroit, hein, sur le front et... Voilà. Ouais. C'est le geste, et j'ai pas le geste encore. C'est peut-être ça, les 50% dont parle Giroud. Oh non, il y a plus quand même. Il y a du pied gauche dedans. Ouais. Oh, faut que je change de chaussure. Là. Comme hey, c'est vrai qu'il est toujours super sapé quand même. Hein. C'est quoi? C'est Hot Dutch le pantalon là? Ouais. Et les pompes, c'est Mylène Farmer. Hein. Hey,
qu'il faut savoir quand même, c'est qu'à Auxerre, Djibril, il a une grande chambre hein, qui est transformée en dressing room. Hein. Ouais. Il n'y a que des sables dans... Vous avez même des pantalons jupes, non? Ouais. Même des jupes, non, un peu, non, pas des jupes. Hein. Des jupes pantalons? Des kilts. Ça a dû faire jaser à Auxerre, quand même, non? Ouais, un petit peu, surtout Giroud. On n'a pas trop l'habitude de le voir en jupe non plus. À Auxerre, on doit quand même se faire chier le soir, non? ça te fait une occasion de venir à Paris en même temps. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien, mais bon, moi, à partir de 7h, je suis chez moi. Quoi. Tiens, ah ouais. Ouais. Prends-nous pour des comptes. Hein. C'est vrai que Giroud, c'est pas Bernard Tapie, question repos du guerrier. Hein. Il organise moins bien les, ah, c'est pas pareil, les loisirs, quoi. Ah, c'est pas les mêmes. Ouais. C'est pas les mêmes soirées, quoi. C'est quoi la meilleure boîte à Auxerre? Je connais pas. Il y en a pas? Je les connais pas. Garde-le, il les connaît pas. Non, je les connais pas. Comment il s'appelle le stade? T'as vu au Blue Jelly? La Baie des Champs. La Baie des Champs. Ouais. La Baie des Champs. Voilà, c'est ça la meilleure boîte. C'est la meilleure boîte, c'est la Baie des Champs, ouais. Bonne réponse. Mais c'est vrai que justement, le public de la Baie des Champs en ce moment, il vous siffle un peu. Hein. C'est pas le grand amour avec Auxerre, là, non? Ouais, parce que là c'est. Là, c'est... Mais je pense qu'il n'y a pas que c'est pas le fait que je loupe mes actions ou pas, c'est que bon, les gens savent que j'ai déjà anticipé mon départ, donc ouais. Ça plaît peut-être pas, ça aussi. Ouais. Et après. Ouais. Alors il les a mal habitués aussi. Tu es toujours meilleur buteur toujours, ouais. C'est fou quand même de siffler un buteur parce que alors qu'il est meilleur buteur du championnat et de siffler parce qu'il rate un but. Ouais. C'est limite hein. Ouais. Vous trouvez ça injuste, ça vous énerve? Ouais, ça m'énerve un petit peu parce que bon, je fais pas esprit de les louper, hein, ça me fait pas plaisir de tirer sur le gardien ou de tirer à côté. Et... Ouais. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter, quoi. Je suis déjà assez... Vous voulez les insulter, là, le public de la Baie des Champs? Non, mais allez-y. Non, parce que, bon, ça restera quand même le club qui m'a sorti. Et je suis très content d'être passé à Auxerre, mais bon, c'est vrai que là, c'est... C'est peut-être un an de trop, quand même, non? Non, pas un an de trop, non. Je, non. Non, non, non. Deux ans, trop. Vous êtes impatient d'aller à Liverpool? Ouais, quand même. La nuit, tu verras, c'est autre chose. Ah ouais. Les Beatles, ils n'étaient pas à Auxerre. Hein. Ouais. Non. Vous avez visité le musée des Beatles à Liverpool? Non, non, non. Ah ouais? Non, je suis passé devant. Juste comme ça, juste pour aller signer et puis... Ouais, je suis allé visiter. Il n'a même pas été voir le musée Adamo à Bruxelles, il s'en branle. Vous prenez les cours d'anglais? Ouais, je commence. Alors, on va regarder si... Voilà. Where are the girls? Here and here. Bien! Est-ce que vous avez déjà appris à dire en anglais dopage? Comment on dit dopage en anglais? Non, je veux du dopage. Non, je... Mort. I want. Je ne sais pas le dire et je ne pense pas... Ah, tu veux pas apprendre ça? Non, j'en ai pas besoin. Alors le problème, Djibril, c'est que vous n'allez pas jouer l'Euro 2004 avec les Bleus. Ouais. Ouais, pour un geste... Ouais, pour un geste malheureux. Non, c'est pas malheureux, c'est... Si je peux dire des gros mots, c'est un geste con, quoi. Ouais. Donc, non, je... Quand on dit malheureux, bon, c'est un peu de la malchance, c'est un peu de... Ouais. Mais là c'est un geste d'énervement, quoi. Ouais, d'énervement, ouais. Et... je peux m'en prendre qu'à moi-même, quoi, donc... Carton rouge, suspendu, 5 matchs. Et finalement, votre suspension va se terminer pour la finale de l'Euro. Ça dépend de... Du résultat de l'équipe de France à l'Euro. Ouais. Il peut y avoir un miracle, vous pouvez jouer la finale de l'Euro? Je pense qu'il ne me prendra pas. À 5 matchs, il ne me prend pas. Ah, il ne te prend pas? Non, ça serait bête. C'est quand? Parce que tu t'entends bien avec lui. Hein. Voilà. Ouais, on s'entend bien. Tu crois qu'il va prendre l'LK à ta place? Non. Il a ses chances s'il arrive à faire de bons résultats, à faire de bons matchs jusqu'à l'Euro. Ouais. Je pense que tout le monde a sa chance. Hein. Ou Louis Ndoula, peut-être, il va prendre, non? Tu crois peut-être pas? Peut-être aussi, oui. Ouais. C'est vrai que c'est ouvert, quoi. Là, il y a une concurrence qui est saine, donc je pense que tout le monde a sa chance. Rocheteau. Djibril Cissé. Et maintenant... Voici Alain Minc. Alain
Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes chef d'entreprise, sociologue, économiste, essayiste, consultant favori de tout un tas de grands patrons, président du conseil de surveillance du journal français le plus puissant, Le Monde. Est-ce que depuis que vous surveillez Le Monde, il est meilleur ? Oh, ça je suis pas sûr, vous pouvez le dire. Mais est-ce que le monde est stone ? Le monde est fou, là. Alors voilà, avant ça, Alain Minc, vous avez été un enfant de la République, vous avez commencé à l'école communale et vous avez terminé à l'ENA, major de votre promo, la promo Léon Blum, voilà. Pas mal pour un enfant de réfugié polonais. C'est lui qui me complexe parce que quand j'avais 8 ans, j'avais fait une lettre à mes parents en disant que je serais footballeur professionnel. Ouais. Et lui, il voulait être philosophe, tu vois. Ben oui. Alors, vous avez une enfance assez austère, hein, assez oui, studieuse. Oh, hein. Ouais, comme de notre temps, studieuse, ouais, mais finalement pas très paisible. Bad boy, quoi. Ah, ben, c'était pas la même époque. Ça ouais. Se passait comment avec les filles? C'était difficile? Oh, ben, il y a eu 68, tout a ouais. Changé en 68, heureusement. Ouais. Jusqu'en ben, 68 En 68, un peu puritain, et puis ouais. À partir de 68, vous voyez, 68, ouais. Ça se voit dans vos yeux, comme dans les miens. Oui, bien sûr. L'alcool? Bon, peu. Non, pas trop. Peu, oui, un petit peu, un pas peu de vin, trop. Non, les pas terrible. Oh, pas grand-chose. La drogue ? Ah non, oh, non, 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 d'une banalité rare. Les fugues hein. Oh, ça, le mot n'existait même pas. Ouais. T'étais honnête quand même. Oh, oui, peut-être. Ah bon, parce que je les avais. Les orgies ? Oh, quelle vilain. Rien du tout. Rien, mais comme vous. Ouais. Nous on n'est pas des enfants de la balle. C'est vrai. Alors, retour à aujourd'hui. Donc, à la main que vous publiez chez Grasset, Les Prophètes du Bonheur, une histoire personnelle de la pensée économique. Vous traitez de 15 grands penseurs qui ont marqué l'histoire de la pensée économique. C'est fait très simplement, tout le monde peut le lire et apprendre quelque chose. D'abord, il y a la bio, hein, à chaque fois, vous racontez la vie du penseur en question. Ensuite, il y a la théorie qu'il a développée. Et ensuite, ce qu'il en reste aujourd'hui, voilà. Mais dans l'introduction, vous inquiétez quand même de l'hégémonie des sciences économiques aujourd'hui. Non, ce que je crois, c'est qu'on demande à l'économie beaucoup trop. Alors, j'ai fait un exercice qu'au bout de 30 ans à bourlinguer dans cet univers, j'avais envie de faire, qui était d'aller revoir les grands maîtres. Et au fond, j'en suis sorti plutôt déçu. C'est-à-dire que depuis deux siècles, on n'a rien appris. On bricole. Oui, on bricole, c'est ce que vous dites. Vous dites finalement, on bricole, tout le monde bricole, le ministre des Finances, les banquiers, oui. Les patrons, les financiers, les journalistes, les oui. Universitaires, les experts. Même vous, vous dites, vous êtes un grand bricoleur. Grand bricoleur. Et à la fin du bouquin, après avoir étudié tous ces grands penseurs économiques, la leçon que vous en tirez, c'est toujours la même. C'est bricoler, encore bricoler, toujours bricoler. C'est la différence, si vous voulez, avec un médecin. Un médecin, il bricole, il fait son ordonnance, il regarde le Vidal, mais au fond, il sait qu'il y a derrière des milliers de chercheurs et que 5 ans après, on saura régler un problème que lui ne sait pas régler. Ouais. Ben là, c'est un médecin qui n'a pas de recherche médicale. Voilà. Donc, il a un vieux Vidal et il cherche des vieux médicaments un peu usagés. Alors, c'est intéressant parce que finalement, toute la journée, on entend parler de relance, on entend parler de choses comme ça. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, on ne sait pas très bien à qui ça appartient. Et quand on lit ce bouquin, on apprend des trucs, ce qui est déjà pas mal. Bah, c'était fait pour ça. Bah, hein. Oui, bah, il est un peu austère. On apprend des trucs. Oh, alors, non. Il n'est pas que austère, non, ça se lit d'une traite. Non, c'est alors, vous me réjouissez. Alors, moi, personnellement, je l'ai lu 2 fois. Hein, je sais pas. C'est tout. C'est bien, déjà. Ah, bah. Alors, vous parlez donc des grands penseurs de sciences économiques. Alors, il y a Adam Smith, Malthus, l'inventeur du malthusianisme, Laurent. Et du malus. Et voilà. C'est Ricardo Schumpeter, etc. Et j'en ai pris 3. Bonsoir aussi. J'en ai pris 3. Marx, d'abord, évidemment. Pas Karl Marx. Oui, Marx. Tu vois qui c'est, Laurent? Très bien. Très, voilà. Très bien, les frères, ils nous ont tellement fait rire. Alors, Karl Marx, dites-vous, Alain Minc, survivra à la disparition du communisme. Car il est le meilleur analyste du capitalisme. En fait, effectivement, ce que vous aimez dans Marx, ce n'est pas sa version léniniste, c'est l'analyse qu'il a fait avant du capitalisme. Ben, il est celui qui a compris la puissance du système. Ouais. Il l'a compris avec une telle fascination qu'il a voulu la détruire. Mais il a vu qu'il y avait une espèce de force irrépressible et jamais personne n'a retrouvé le même souffle. Ouais. C'est le seul qui a compris que l'économie et la société, c'était indissociable. Ouais. Et que pour comprendre l'économie, il fallait s'interroger sur ce qui fait la vie de tout un chacun. Et au fond, je crois qu'on ne le dépassera jamais. D'ailleurs, les anglo-saxons, qui n'ont pas les mêmes arthritismes que nous, disent que le monde est redevenu marxiste. Ouais. Alors nous, évidemment, on veut savoir combien il y a de marxistes au Parti socialiste. Ouais. Pas une question c'est décisive. Pas le propos. Hein. Oui. Mais vous dites qu'il a envisagé longtemps avant la mondialisation. Ah bah oui, il l'a écrite, il l'a décrite. Voilà. Le manifeste communiste est un manifeste mondialiste. Ouais. C'est un texte où on explique exactement ce qui est en train de se passer. La marchandisation de la culture aussi, tout, c'est quelque chose marchandisation qu'il a, de la culture. Qu'il avait prédit. Il avait presque prédit ce que nous sommes en train de faire. Ouais.
Et il avait été le premier, finalement, à voir que le système capitaliste générait obligatoirement des inégalités. Non, mais il avait compris que le capitalisme, ça fait à la fois de l'efficacité et de l'inégalité. Ouais. En réalité, il faut savoir qu'à chaque instant, il faut accepter ce qu'il donne de dynamisme et il faut essayer de corriger le moins mal possible les inégalités. Alors Marx était un bourgeois, en fait. Ah oui, ils étaient tous des bourgeois. Oui. Vous savez, à l'époque, pour écrire, il fallait être avoir un bourgeois. Les moyens, hein. Ouais. Il n'y avait pas d'école de la République, comme vous dites. Ouais. Alors c'est marrant parce que Keynes, qui est le second que je prendrais, lui... pareil, hein, bourgeois, dandy, gay, oui, marié, absolument. Spéculateur, pamphlétaire, enfin on découvre comme ça ces personnages. C'est un aventurier. Ouais, ouais. C'est un aventurier anglais, il a été gay, puis il a voulu entrer dans la bourgeoisie, il s'est marié avec une danseuse russe, il a spéculé, il était allongé dans son lit, le matin il spéculait pour faire de l'argent et l'après-midi il écrivait ses théories. C'est génial. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert, dites-vous, un espace à l'action. C'est-à-dire, c'est le refus de la fatalité économique, c'est l'inventeur de la relance, en fait. C'est celui qui pense que la politique peut agir sur l'économie. Il a considéré que c'était une voiture et qu'on peut la conduire, qu'il y a un accélérateur, il y a un frein, on peut jouer sur des manettes, et grosso modo, on peut faire que ça se passe un peu moins mal. Ouais. Alors, pour la gauche, en général keynésienne, comme on dit, c'est l'augmentation des salaires. Pour la droite, c'est l'investissement. En fait, ça veut dire que, de toute façon, c'est l'action sur l'économie. C'est-à-dire qu'on met du charbon dans le moteur et on peut tourner plus vite. La seule chose, c'est que la gauche pense qu'elle est keynésienne et Keynes détestait la gauche, en réalité. Oui, il était profondément anticommuniste. Il était profondément anticommuniste, il était incroyablement élitiste, il croyait à la hiérarchie des hommes d'une manière qui serait aujourd'hui politiquement incorrecte. Ouais. Pardon, à propos de Keynes, je crois que Djibril voulait raconter une anecdote. C'est un fou de Keynes, il a tout lu. Mais il joue à Liverpool, Keynes. Fabrice, il a fait... Je croyais que ça allait tomber sur moi. Non, je sais pas, j'essaye de vous apprendre des trucs, mais... Non, moi, je trouve ça très intéressant. Comme vous êtes décevant des... Si tu mettais une fille à poil pour verrouiller à côté, il faudrait mettre une fille à poil pour verrouiller que les gens ne se barrent pas. Et tu vois, on écouterait... Non mais c'est marrant quand même, j'essaye de vous apprendre des trucs là. Thierry, si on était fort en économie, on ne serait pas avec toi à réfléchir. Il ne faut pas qu'il entende parler de Keynes ni de Marx. Vas-y, dis-la, ta vanne sur Keynes. Il a fait 15 ans. Non, c'est intéressant, j'écoute. Non, mais c'est, bien sûr, c'est intéressant. Mais ça, c'est ce qui. Avec tout le pognon que tu as placé, toi, écoute. Djibril, c'est ce qui dirige le monde aujourd'hui. C'est l'économie qui dirige le monde, c'est plus la politique. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de comprendre quelles sont les théories de sciences économiques. En plus, le bouquin de Marx, il est assez facile à lire. Donc, on a vu Marx, hein, vous êtes d'accord ? On a vu Marx, hein, cette analyse du système capitaliste comme ça. Bon, son frère Harpo. Ensuite, on a vu Keynes, celui de la relance. Keynes, Barbie. La relance, parce que Djibril a du mal à faire en ce moment. Donc Keynes, celui de la relance, l'action sur l'économie. Et sur le terrain. Et sur le terrain. Et maintenant, on arrive Big au troisième. Big Jim, Action Joe. On arrive au troisième que j'ai grand choisi. Grand penseur, Chiozo. Non, c'est Hayek. Hayek, parce qu'Hayek, alors lui... Hayek. Hayek. Salma Hayek. Oui, c'est ça. Hayek, lui, c'est le laisser-faire. Hein. C'est-à-dire que lui, il pense que de toute façon, l'ajustement se fera. Il faut laisser faire le marché. Aucune intervention de l'État, c'est ça. Ah oui, lui, il pense que... C'est du super Madelin, lui, oui. Madelin, c'est un vieux socialiste à côté d'Hayek. Oui, c'est ça, à côté, c'est ça. Lui, il dit, dès qu'on touche, on détériore. Ouais. Ça ne veut pas dire que si on ne touche pas, ça ira bien. Ouais. Mais ça ne peut qu'être pire. Donc on laisse les choses faire. C'est comme un organisme. C'est comme un organisme. Faut pas y foucher. Il faut regarder les miasmes et puis ça se passe comme ça se passe. Et abstenons-nous de tout. Et il pense... Alors, c'est quand même assez... C'est ce qu'il y a de plus pessimiste au monde, c'est de dire l'homme ne peut rien. Ouais. Donc l'homme, la seule chose que l'homme ne peut faire, c'est rester passif. Attendre et attendre que ça passe. Alors, pas de salaire minimum, pas d'État-providence. Rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Il repense à la vanne de Hayek, il est mort. Le mien ? Ton portable a sonné ? Non. Si, ton portable a sonné, c'est Giroud. J'ai pas de portable. Il te cherche. En tout cas, t'as un vibreur parce que t'as souri. J'ai pas de portable. Bon, en tous les cas, ce que vous dites, voilà, donc là j'en ai fait 3, il y en a 15, lisez-le malgré tout, ça vaut le coup, vous serez juste un peu moins con. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de mecs comme ça. Non, il n'y a plus. Aujourd'hui, vous dites la pensée économique est balkanisée. Et il n'y en aura plus parce que ces types-là étaient quand même des gens qui avaient une vision globale, ils essayaient de penser le monde. Aujourd'hui, vous avez des scientifiques qui essayent de savoir combien les gens vont consommer le samedi à telle heure, mais il n'y a que des petits savoirs.
Et vous, par exemple, alors, vous vous situez comment par rapport à des gens comme ça Lui bricole. Moi, j'ai dit que je bricolais. Lui bricole, c'est-à-dire qu'il prend un petit peu de tout. Je prends un peu de tout, j'essaie, et je pense que... On essaye de faire vraiment très modestement. Il y a quand même des titres très forts maintenant. Vous croyez ? Jean-Pierre Pernaut, dans combien ça coûte, il explique bien, je trouve. Ah ben non, mais il est interchangeable avec le ministre de l'économie, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'autres gens aussi. Ouais. Voilà, en tous les cas, c'est un bouquin qui permet de comprendre comment marche le monde. Ça s'appelle « Les prophètes du bonheur », Alain Minc, c'est chez Grasset. Et maintenant, on va procéder à l'envers, c'est-à-dire que vous allez prendre votre boîte à outils qui vous permet de si bien bricoler pour tous ces grands patrons à la Minc. Et on va bricoler sur des sujets précis, vous allez nous répondre. C'est une interview normale, paranormale. Alors, Alain Minc, est-ce que vous trouvez normal qu'on privilégie les restaurateurs aux chercheurs ? Non. Non, mais je pense de toute façon qu'on n'a jamais aussi mal gouverné depuis 50 ans. Ah bon, d'accord. Est-ce que vous trouvez normal qu'on coupe les allocations des chômeurs sans les prévenir ? Non. Est-ce que vous trouvez normal que les jeunes achètent des disques de Laurie ? Pourquoi pas ? Est-ce que vous trouvez normal qu'on pense que supprimer le SMIC créerait des emplois ? On peut le penser, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait autant de flics dans les rues ? Oui. Vous trouvez normal qu'il y ait des gens qui dorment dans ces mêmes rues ? Non, bien sûr, mais la réalité, c'est que... D'une certaine manière, parfois certains le vivent comme une liberté alors que d'autres le vivent comme un enfer. Est-ce que ce serait normal que le baron Seyer fasse peur aux gens ? Ah non, pour le connaître, je peux vous dire vraiment non. Ah bon ? Ah non, il ne fait pas peur. Et le baron Poivrière, plus ? Est-ce que vous trouvez normal que Le Mans soit en Ligue 1 à la Minc ? Ah bah oui. Oui. Bah oui. Ça te semble normal, Djibril, ça que le bon soit en Ligue 1 ? Ah, t'as raison de faire du football, toi. Merci. Alain Minc, les prophètes du bonheur. Une histoire personnelle de la pensée économique. C'est édité chez Grasset, mesdames, messieurs. Question de Béatrice A, qui habite en Normandie, une question pour Alain Minc. Est-ce que dilapider, c'est tromper ? C'est mieux que sucer. Vous connaissez le classique ? C'est ça la culture. Ouais. On reconnaît l'économiste. Hein. Ouais. J'accueille maintenant Touria Tchouli. Bonsoir. Bonsoir Touria. Alors vous avez été fin 2002 jusqu'au début 2003 l'héroïne d'un fait divers dont les médias ont beaucoup parlé et que vous racontez dans un livre intitulé « Brisé », sous-titré « En prison à Dubaï pour avoir été violée ». Voilà. Alors avant le tragique épisode de Dubaï, vous avez déjà une histoire qui n'est pas simple. Vous êtes née à Casablanca, vous avez été élevée par votre mère divorcée qui était infirmière. À 13 ans, vous venez en France et vous avez 19 ans quand un jour, vous promenez aux Champs-Élysées. Et là, il y a une princesse saoudienne qui vous demande de traduire ce qu'elle est en train d'acheter, j'imagine. Vous sympathisez, vous devenez amie et vous tombez amoureuse de son frère. Ça s'est passé comment ? Elle vous a emmené chez elle après ? Un jour, elle m'a dit, viens découvrir mon pays. Ouais. Chose qui, pour... une musulmane à l'époque, j'avais encore la nationalité marocaine. Et vous savez, quand en tant que musulmane, on n'est jamais majeur. On est sous la tutelle de son père, et quand on se marie, on est sous la tutelle de son mari. Mmh. En divorce, on redevient sous la tutelle du père. Elle a réussi dans le sens où elle faisait partie quand même de la famille royale, de m'inviter. Voilà. Avec l'accord du ministère des Affaires étrangères saoudien. Donc, et je suis allée. Voilà. Alors, vous prévoyez de vous marier avec ce prince saoudien, mais là, le sort s'acharne sur vous pour la première fois. Vous avez, en revenant de Deauville, un grave accident de voiture. Vous passez 6 mois à l'hôpital, beaucoup de difficultés pour remarcher, et vous mettrez 2 ans pour arriver à vous tenir debout, position verticale. Ça a été le miracle. Ouais. Même pour les médecins. Ouais. Quand je suis allée pour la visite,
et que je remarchais, ça a été un médecin qui a appelé un autre pour dire, mais venez voir le miracle. Quoi. C'était, ou elle, ou jamais elle remarchera, mais même si elle doit remarcher, ce sera avec une canne ou avec des béquilles. Ouais. Et moi, j'ai affranchi ce pas, je suis une battante. Alors voilà, donc vous avez cet accident, beaucoup de temps, beaucoup de difficultés pour arriver à remarcher. Et là, le malheur s'acharne sur vous, encore, puisque votre fiancé, le prince saoudien, décède, il avait 32 ans. Vous dites dans votre bouquin qu'il prenait des médicaments sans doute pour maigrir. Pour maigrir. Mmh. Avant, oui, le mariage. Avant le mariage. Il rentrait des États-Unis, il avait eu son diplôme aux États-Unis. Il a été nommé au ministère des Affaires étrangères à Riyad. Ouais. Et justement, avant le mariage, comme il était fort, il avait grossi énormément aux États-Unis. Et on lui a conseillé de maigrir. Et, ouais. C'était pour me faire plaisir aussi. Parce qu'à l'époque, moi, je faisais que 45 kilos aussi. Ouais. J'étais, Voilà. Alors là, vous finissez, c'est terrible, finissez vos études de prothésiste dentaire. Vous rencontrez un autre homme, mais en fait, vous gardez toujours en mémoire jusqu'à maintenant. Le souvenir de votre premier mari, en fait, celui qui aurait maintenant. Dû être votre premier mari. Jusqu'à toujours. Jusqu'à maintenant. Ouais. C'est le seul et unique. D'ailleurs, quand votre enfant naît avec ce nouvel homme, vous lui donnez le nom que vous vouliez donner à l'enfant, que vous vouliez avoir. J'ai tenu ma promesse. Avec le prince saoudien. Ça a été la promesse et elle sera toujours là. Et vous séparez de cet homme. Hein. Les aléas de la vie. Là, vous rêvez d'un paradis et vous pensez à ce moment-là que Dubaï peut être ce paradis. Et là, coup du sort, au moment où vous allez partir à Dubaï, le malheur s'acharne encore sur vous. Vous découvrez que vous êtes atteinte d'une maladie orpheline, une infection neuromusculaire qui s'appelle la myosite. Hein. C'est une maladie neuromusculaire qui atteint les muscles. Et elle peut évoluer comme elle peut stagner. Pour l'instant, là, elle est... Ça va ? Tant mieux. Voilà. Enfin, finalement, vous allez prendre votre service à Dubaï. Hein. Vous travaillez à l'expansion économique au consulat de France. Donc là, tout va bien au début. Ah oui, impeccable. Ça vous plaît ? Oh. C'est un pays moderne, etc. Plus que moderne. Ouais. À l'avant-garde. J'ai visité les États-Unis. C'est plus que moderne que par rapport aux États-Unis. C'est... Et en plus, il y a ce mélange de cultures que je recherchais, parce qu'on se recherche automatiquement. Il ne faut pas oublier que je suis d'origine arabe, alors automatiquement on cherche ses origines, le pays où on a grandi. Ouais. Alors il y a une culture orientale, une culture occidentale, et je l'ai retrouvée là. Voilà, et là, effectivement, la veille de votre anniversaire, vous êtes violée par trois Émiriens. C'est ce que vous appelez dans votre bouquin « L'enfer du décor ». Vous dites « nuit d'horreur ». Ils vous emmènent en voiture dans un quartier résidentiel, dans une maison. Où ils avaient prévu de faire ça. C'était un coup monté. C'était, pour eux, c'était fait pour. Ils avaient téléphoné entre-temps pour préparer leur coup. Ouais. Et je me suis retrouvée. Là, vous découvrez en fait que Dubaï, sous ses jours comme ça, ultra-modernes, en fait, c'est... C'est bien beau d'en mettre plein les yeux. Oui. Ouais. Et voilà, c'est le revers de la médaille. Alors, ce qui est terrible, c'est que le lendemain, vous allez porter plainte et finalement, ça se retourne contre vous. Et c'est ce 48 qui a fait... heures après, ça se voilà. retourne contre c'est, moi. C'est ça qui a fait le... Je dirais, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de votre affaire à l'époque. Parce que vous avez porté plainte pour viol et finalement, vous êtes accusé de relations sexuelles hors mariage. Mariage. Ça veut dire quoi ? Alors, si on traduit mot à mot, en arabe, de l'arabe à... En français, c'est viol avec consentement. Ouais, ah oui. Ah, c'est nouveau, ça, oui. Oui, c'est viol avec consentement, mot à mot. Ouais. Ah, là, c'est le choc. Mais c'est grave, là-bas, hein, ce délit de relation sexuelle hors mariage. Hein. C'est très grave pour eux. Hein. Mais moi, j'ai été surprise quand je me suis retrouvée en prison. J'ai vu une fille qui avait 29 ans. Elle aussi, elle s'était fait enlever... violée, elle avait reçu des coups de couteau, il l'avait lâchée en plein désert. Cette fille s'est retrouvée sur la route, elle a eu la force d'arriver sur la route. Il y a une voiture qui passe, qui la prend et qui l'emmène à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, on lui pose la question qu'est-ce qui s'était passé. Elle raconte son histoire, on appelle la police justement pour faire un rapport. Et ça faisait 9 mois qu'elle était en prison. Pour rapport sexuel hors mariage. Ah ouais.
Voilà, ben vous vous retrouvez en prison, et puis en plus, quand vous sortez de prison, vous êtes en liberté conditionnelle. Vous n'avez pas le droit de quitter le pays, ce qui est une sorte de prison, oh, c'est une prison en même c'est temps. Une prison. Et là commencent les auditions, les confrontations, les interrogatoires. Et le consulat de France ne vous aide pas beaucoup. On pense que c'est au nom de la raison d'État pour ne pas avoir de mauvaises relations avec Dubaï. Je vais être franche. Je travaillais pour le consulat. En quelque sorte, entre guillemets, je vais mettre ça entre guillemets, je travaillais au noir pour ouais. eux. Moi, je ne savais pas. Alors qu'ils avaient, normalement, avant de me proposer ce travail, il fallait l'accord du ministère des Affaires étrangères et l'accord du Quai d'Orsay. Il n'y avait pas cet accord. Le jour où j'ai eu le problème, ils ont essayé de camoufler cette histoire. La seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'était... Parce que quand on est venu me voir en prison, j'ai demandé de faire le check-out de la chambre pour que, bien sûr, que la facture ne... Ah oui. La première... Et ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est enlever les preuves de mes missions. Ouais. Où c'était marqué, bien sûr, mon nom, mon prénom, l'adresse du consulat et le tampon du consulat. Ouais. Donc vous n'aviez plus de raison d'être là-bas et on pouvait facilement vous accuser d'être là-bas pour d'autres choses que l'expansion économique de la France. Exactement. Voilà. Parce que s'ils avaient intervenu, j'aurais même pas fait cette semaine de prison. Ouais, ouais. Parce que pour les Émiriens, j'étais là, je faisais des allers-retours, je suis d'origine marocaine, automatiquement, ben, on fait le lien. Il y a un réseau de prostitution, ben ok. Oui. Voilà. Parce que les Allez prostituées, là. Souvent, dites-vous dans votre livre, sont marocaines là-bas. Il n'y a pas que les Marocaines, il y a de toutes nationalités, mais elles sont plus célèbres pour ça. Ouais. C'est les plus riches, ouais. C'est les plus, on va dire, c'est celles qui se font payer le plus cher. Alors en France, heureusement, il y a un comité de soutien qui se met en place, les médias sont alertés, Le Monde, Libération. Et puis voilà, 6 mois plus tard, vous finissez par rentrer en France, mais vous êtes condamné en fait par Dubaï. Vous êtes condamné à 6 mois de prison par contumace. Donc, en fait, là, vous êtes sous le coup d'une condamnation émirati. Hein. Oui, je suis condamnée, mais il ne faut pas oublier. Quand je suis rentrée, après un mois après mon retour, on m'a proposé de me payer toutes mes dettes. Parce que je suis endettée depuis que je suis rentrée. Bien sûr, il fallait mais payer les dettes. Il y avait une amende à payer, vous avez payé. Non, non, l'amende, c'est rien du tout. Mais je suis endettée par rapport aux frais d'hôtel, par rapport à tous les frais qu'il y avait ici. Il ne faut pas oublier que j'ai un enfant, j'avais mon appartement. Ouais. Il fallait continuer à payer ici aussi. Et je me retrouve endettée. Et voilà, qu'il y a une personne qui fait le lien, soi-disant. On ne saura jamais de quel lien elle fait, si elle fait partie des Émiriens ou de l'État français. Ça, on ne saura jamais. Qui m'appelle et qui me propose... qu'on me paye toutes mes dettes et qu'on me mette un peu d'argent pour passer les vacances avec mon fils. Mais à condition de ne pas écrire mon livre. Ah. Et moi, ça a été un refus. Étant donné que moi, mon livre, c'est ma psychothérapie, je ne cherche pas à gagner de l'argent. La seule chose que je cherche, c'est un témoignage pour dire ce que j'ai vécu et à encourager toute personne qui passe par là, parce que ça doit être dur. Ouais. Je me dis des... Désolée. Des femmes qui passent par des viols et qui arrivent à garder ça pendant des années. J'ai essayé. On m'a déposé à mon hôtel à 8h du matin. J'ai essayé de garder ça pour moi. Je me suis lavée, relavée. Je suis allée acheter des produits pour me laver. On se sent sali. C'est pas possible. Alors moi, je ne comprends pas les femmes qui attendent des années pour dénoncer. Ouais. Alors, ce qu'on apprend dans votre livre, quand même, que vous n'aviez pas dit à l'époque, c'est que le soir du viol, donc le 14 octobre 2002, la veille de vos 39 ans, vous aviez eu une altercation dans une boîte de nuit, vous étiez allé boire un verre. C'est avec eux, c'est les mêmes. Voilà, et c'est les mêmes. Oui, c'est-à-dire que... c'est le jour même. Mais c'est bien ce que je dis, mais vous allez dans cette boîte de nuit, toute seule. Bon, c'est vrai que là-bas, c'est peut-être surprenant, ici, ça l'est moins. Ah non, je connais pas surprenant. Ah bon ? Du tout. Je ne connais pas les mœurs. Du tout, quand on arrive là-bas, on voit... les cafés ou sur les terrasses de café, vous avez des femmes habillées en short, en débardeurs, qui sont en train de fumer, ou des cigarettes, ou narguilés. Donc quand vous êtes dans cette boîte, la veille de votre anniversaire, ce soir-là, c'est normal, vous y allez, vous êtes là. Il y a 3 garçons
qui s'approche de vous, donc, et qui commence... Et qui insulte. Ouais. Qui m'insulte. Ouais. Quand ils ont commencé à m'insulter, je me suis retournée, je dis, mais attendez, vous ne me connaissez pas. Est-ce que vous me connaissez? Ils m'ont dit non. Et là, le gérant intervient en leur expliquant, attendez, c'est pas... Parce qu'ils me traitaient de marocaine, de prostituée, de... Si tu étais dans ton pays, tu n'aurais pas fait ça. Et là, le gérant intervient en disant, mais attendez, elle n'est pas marocaine, elle est française. Et elle descend chez nous par le biais du consulat. Et c'est là qu'il y en a un qui se lève, il me présente ses excuses. Et je me dis, ben, ouais. Pourquoi pas? L'erreur est humaine, n'importe qui peut faire une erreur. Peut-être que c'est vrai, avec le réseau de prostitution qui existe, on peut faire l'erreur. Mais ensuite, pourquoi vous montez dans leur voiture? C'est cette confiance. Bah, après ce qui s'était passé, malgré ça, vous montez quand même dans leur voiture. C'est la confiance. Quand on me présente des excuses, moi, je pars sur le principe, si je présente des excuses à quelqu'un, enfin, c'est très imprudent quand même. Il n'y a plus de rancune, il n'y a plus rien. Touria, c'est très imprudent. Est-ce que vous, en France, est-ce que vous l'auriez fait, ça? Si on m'a présenté des excuses, je suis peut-être vous dites trop naïf. Un peu bonne poire. Je le suis. Ouais. Oui, je suis bonne poire. Ouais. Je le suis. Je ne le parais pas physiquement. Mais je le suis au fond. Ouais. Moi, maintenant, pas, bien sûr. Donc, vous montez dans la voiture malgré ce qui s'était passé avant. Ah oui, avant. Maman présentait des excuses, c'est bon, l'erreur est humaine, ben, pourquoi pas? Ouais. C'est des jeunes d'une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'ils veulent d'une femme de 40 ans, dans le sens où les prostituées, elles ont 16, 17, 18 ouais. ans, et qu'elles sont là, quoi. C'est un terrain qui est très ouvert, qui est... Ouais. Il y en a partout. Maintenant, aujourd'hui, là, vous regrettez d'avoir porté plainte? Regretter, oui et non. Oui et non. Oui, pour ce qui m'est arrivé, parce que c'est moi qui payais. Mmh. Et non, parce que au moins, ça va réveiller des esprits. Ça va réveiller beaucoup ça de choses. Ça va alerter pas mal de gens, oui. Exactement. Oui. Et surtout ceux qui vont là-bas en vacances. Parce que quand on arrive en vacances, c'est la liberté. Ouais. On a l'impression que c'est la liberté. Et moi, pour moi, liberté est égale à droit. On vit dans un pays de liberté. J'ai vécu dans un pays de liberté. Et pour moi, ça a toujours été... Liberté est égale à droit. Ou alors, il y a malaise. Il y a hypocrisie. Ouais. Voilà, c'est cette histoire que vous racontez, Touria Tchouli, dans un livre qui s'appelle « Brisé, en prison à Dubaï, pour avoir été violée ». Et c'est publié chez Michel Lafond. Maintenant, on va comprendre pourquoi Alain Minc est resté. On passe au blind test. Et au platine, j'accueille DJ Jairo. Bonsoir, DJ Jairo. Elle s'appelle comment, votre danseuse? Félina. Parfaite, hein. Bravo. Elle va avec moi. Ouais. Mais ouais. Oui, Catherine, je sais, tu me dis qu'elle a des seins bizarres, mais qu'est-ce que tu veux, Non, c'est naturel, me disait Djibril. Ah, c'est naturel, ah oui. Tu n'es que dans le ballon, réussi, toi. Hein. Ouais. Combien de temps que t'as pas touché un ballon? Allez, lâche-toi. Djibril, lâche-toi. Allez, comme à l'entraînement. Non, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre Djibril ici d'abord pour équilibrer un petit peu. Attends, avant, je vais donner une carte de mon client. Voilà, équilibrer un petit peu les équipes. C'est bien, c'est bien. Et puis comme ça, tu l'auras fait. Reviens avec des fringues différentes. Parce que là, et puis Thierry, il va enfin améliorer son jeu de tête. Ouais, tout à l'heure, on en parlait. Voilà, Djibril, mets-toi là, parce que ça équilibrera et en même temps, tu auras notre ami de face. Bon, vous connaissez le principe, hein, il faut trouver l'interprète. Virginie, l'interprète, c'est le premier qui me donne l'interprète qui a gagné, c'est DJ Jairo qui passe les disques, attention. Des millions. On va y aller, attention. Attends, Laurent Baffi.
bravo. Tu vois, tu gagnes. Non, non, mais tu vois, c'est marrant. Tu es champion du monde de blind test ce soir. Ça fera 4 champions du monde. Là, je suis bien tombé. Ah, t'es bien tombé avec ma fille. On peut gagner. Djibril, il faut se concentrer. Marie-Ange, il faut se concentrer. Alain. Ouais. Attention. Chut. On ne souffle pas. Je vous cœur. Non, s'il y a un soufflage, il y a perdage. Non, je veux l'interprète. Oui, il y en a eu tellement. Janis Joplin. Non. L'interprète. Alain Minck. Non. Alain Minck, c'est un autre qui l'a fait. C'est une autre reprise. Jimmy Cliff. Ouais, bravo. Djibril Cissé. Très belle action de Djibril Cissé, oui. Belle pénétration. Giroud sera content. Ouais. Attention. Non, il dort. Numéro 3. Serge. Replay, Virginie. Elle a dit avant. Numéro 3. Tu l'as dit avant? Ouais. Pas beaucoup, hein, mais juste Catherine, avant. Catherine, Serge, non, Frédéric. Ils l'ont dit avant. Arrête. Le grand jury, Catherine Barma. Catherine Barma, dans l'autorité, ne peut être mise en doute, me dit Titoff. Et donc, c'est Titoff, Méline, qui marque le point. Sympathique ta copine, hein, vraiment, hein, vraiment. Hein. Quand tu veux. Attention. Je crois qu'elle joue dans, l'incruste, je crois, Céline. C'est vrai. Elle est dans les clés de bagnole aussi. Elle joue dans l'incruste. Elle est dans les clés de bagnole aussi. Oui. Elle n'arrête pas de le tourner. Quand on tombe sur une fille un peu nature, on la fait tourner, on n'est pas con. Géo. Il est fort, hein. Bien. Donc ça fait 3 points pour l'équipe de Fabrice Chiozzo. C'est meilleur en boxe. Hein. Et ça fait 1 point pour l'équipe de Djibril Cissé. Ah, mais ils sont vachement entraînés. Ah, oui, oui, oui. On sent l'entraînement. C'est pas une question d'entraînement, c'est pas difficile ça. On a perdu du poids quand même. C'est Giroud, hein, il nous entraîne au bike. On a perdu 30 kilos. Zéro, vas-y. Gainsbourg. Ouais, Laurent Baffy. Non. Je suis content parce qu'Alain Minck, qui connaît tout, qui fait des livres sur les grands économistes, des essais, qui conseille tous les patrons, qui est au comité de surveillance du monde. Là, ça me fait rire. Mais justement, c'est ça qui me plaît. C'est que vous êtes vachement. Vous regardez ça avec beaucoup de. Finalement, vous dites c'est formidable. Ça, c'est bien. Je pourrais peut-être venir en deuxième semaine. Non, mais c'est bien, ça me fait plaisir que vous le preniez comme ça, parce que vous ne trouvez rien en fait, mais vous le prenez avec intérêt. Passe à coup du Spinoza, tu vas voir. Vous êtes un petit peu comme Baffy quand on parle de Schumpeter ou de Kondratiev, oui. Voilà. Attention. Il faut surveiller Djibril, hein. Ouais, surveille Djibril. Attention. Toi, tu marques Djibril, d'accord? Ok, on fait comme ça. Jairo. Ça fait du bien d'entendre Police parce que tu te rends compte quand même que c'était pas mal. Hein. Ouais. Il est fort ce Sarkozy. Ouais. Quoi, replay, pas replay. C'est Virginie, on va faire des replays à chaque fois. C'est évident. Pour l'avoir dire Police. Ah oui, alors replay alors. Jairo. Pas de soucis, ma petite. C'est toi. Ça, c'est bien. Là, ça se mérite une carte. Attention, là, c'est un petit peu plus compliqué. Laurent, concentre-toi. Fabrice aussi. Marie-Ange. Oui. C'est pas tout d'aller à Bangkok avec Frédéric Mitterrand. Mais il faut... Encore faut-il trouver des chansons en blind test. Jairo. Oui.
In Hagen. In Hagen. Non. Oui, c'est Nina Hagen, mais j'ai entendu. Non, non, Thierry, je me fous du point, je veux juste que tu me crois quand je te dis que j'ai pas triché. Je te crois, Lolo. Le point, tu le donnes à qui tu veux. Non, parce que j'avais entendu Nina Hagen derrière. Oui, oui, mais voilà, c'est pas venu de là. C'est venu de là. Il y a encore des choses là-dedans. Il y a des choses vachement importantes. Bon, donc ça fait 5-2, là, il faut vous y mettre, les enfants. Je m'en fous du point, mais on a eu le point. Non, mais passe-le, ce point. Géo. Non mais attends, une heure après tu dis Bowie. Non, mais attends, je m'entendais pas, j'étais dans mon. Mais ils ont dit Bowie il y a longtemps. Il y a une heure qu'ils ont dit Bowie. Ah, bah, je suis comme ils ça. Ont dit Bowie à la première main. Là on m'a soufflé. Hein? Là je reconnais, on m'a soufflé. Ah. Non, je déconne. Jairo. Ils n'ont pas envie de jouer, j'ai l'impression. Ils n'ont pas envie de jouer, ils ont très envie de jouer, mais ils sont à deux, vous êtes à 7. On est impressionnés. Djibril, tu sais plus où t'es. Moi j'attends le super banco. Ah ouais, j'attends le pénalty. Il a compris, lui. Il se dit tant que c'est par équipe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le tir au but, t'as raison. Bon, attention, Jairo. Hey you, don't watch that. Bravo. Bon, attention. C'est bien, Jairo. Bravo Fabrice. Il boxe un peu, on dirait que t'écoutes Madness un peu. Il boxe en Madness, évidemment. Ah, parfait, c'est du ska, okay, et c'est très bien, bravo. Jairo, la suivante. Yo, 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 boy. Qui c'est? L'Orco City. Avec qui? Avec Joey Star. Ouais, bravo. Alors. Qui a dit ça le premier? Lui, il a dit que l'Orco City, et moi, j'ai dit les deux. Bon, à toi, chacun. Bon, là, ça fait un point partout. Hein. Il y en a un qui dit Lord Co City, l'autre qui non, dit... Non, mais écoute, tu ah sais, 9-3... On s'en fout du point. 9-3, 9-3 ça tombe bien pour cette chanson en même vas-y. Temps. Ouais. Mais non, on peut faire même comme on va biffer plusieurs même si vous voulez. Tu mérites ta carte. Mais je sais, Laurent, je crois que je vais revenir la semaine prochaine. Ouais. Attention. Oh là là, 9-3, c'est dur. Bon, on continue, ça c'est ultra facile, ça, maintenant, là. Allez, essaye, Djibril, vas-y, Jairo. Oui, je prends. L'aveugle. Voilà, c'était Stevie Wonder, bravo, Titoff. Ouais, il n'a pas dit Montagnier. Toi, t'as dit l'aveugle, il dit Stevie Wonder. J'ai failli dire Gilbert Montagnier. Ça peut être Montagnier, ça peut être Ray Charles, t'as trouvé. C'est Stevie Wonder, c'est bien. Ça fait 10 à 3. Oh là 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 là. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois depuis que cette émission a dit. T'as déjà vu ça, Laurent? C'est la première mi-temps, ils peuvent remonter. Si on veut, comme au Bobby Food, les buts comptent au double, si vous voulez. Ben non, mais maintenant, il y a les bancos. Donc, par équipe, c'est évidemment l'équipe de Baffi, Thiozo, Titoff qui gagne. Mais au banco, au super banco, on va super. Voir. Fabrice, super. Oui, il a trouvé un. J'ai trouvé bien sûr. Ouais. T'es prêt, Jairo? Attention, alors là, attention. Hein. Hey. Là, c'est quoi, là? Là, il n'y a plus d'équipe. Là. C'est, banco, là. C'est chacun pour sa gueule. C'est Hayek, là. C'est Madelin, là. Là, c'est le libéralisme, là. C'est chacun pour sa gueule. Je baise l'autre. Attention. Et depuis que j'ai lu le bouquin de Max, maintenant, je filme. C'est pas Schumpeter, c'est pas... Mais c'est plutôt Hayek, là, vous voyez. Ça va m'aider, votre bouquin. Je veux dire, c'est injuste ou pas? C'est injuste. Parce que la vie est injuste. Voilà. Et voilà. Et voilà. Bien, attention, c'est le banco et c'est Jairo. Mr. Bombastic. Shaggy. Le problème. Bombastic.
Alors le problème, Djibril, c'est que tu le dis à Jairo, faut me le dire à moi, tu t'es tourné Shaggy. Comme ça. Shaggy. Et là voilà, j'ai compris que tu disais Shaggy. Et le cadreur, il est mort de rire, il est à Disneyland lui. Hein. Le cadreur, sympa comme boulot. Hein. En fait, c'était ton anniversaire. Eh. Il y a une petite... Allez, bois un coup, va. Ah, le pauvre, le pauvre. Dégrave-toi un peu. Quand c'est difficile comme boulot, hein. Il a du mal, hein. C'est dur, hein. Bon alors, donc c'est Djibril Cissé qui remporte le banco, d'accord? Ok, avec Shaggy. Qu'est-ce qu'il est perso? Ah, attends, bah oui. Attends, tu vois, quand ça va être Mylène Farmer, il va cartonner, toi. On passe au super banco, Jairo. Bon, ben voilà. Et maintenant, nous arrivons au méga banco. Inutile de dire que celui ou celle qui va trouver, évidemment, aura tout. Allez, Alain, lâche-toi. C'est maintenant. Alain, c'est maintenant. Jusqu'ici, ça servait. Ça servait à rien, jusqu'ici. Attention, tout le monde est prêt. Virginie ? Oui, je suis prête. Tu es concentrée ? Marie-Ange ? Oui, oui, oui. Attention, hein, c'est compliqué. Jairo ! Hey, Jim ! Jim ! Just a minute, y'all. I want to ask you something. I want you to spend something for me, Jim. Can you do that? Sure, John. But I want you to spell for me New York. John, why you ask me to do that? I just want you to spell New York, Jim. Well, all right, I'm gonna go ahead, man. N-E-W-Y-O-R-K. Voilà, mais c'est Djibril Cissé, voilà. Le journal demain, Cissé, le doublé. Auxerre remonte. Il finit ouais. Cissé, la fin du doute. Guiroux, il vient de faire péter une bouteille, là, t'entends? Ah ouais. Alors là, tu vas passer, on refait le match. Là, c'est sûr. Il a commencé à jouer dès que c'était tout seul. C'était pas une équipe. Les persos, c'est vrai. Djibril Cissé au tir au but. Djibril. Voilà. Je voudrais dire donc que la Vénus Olive d'Henri Maillot, ce bronze de 17 kilos, est mis en vente au profit de Emmaüs France, l'abbé Pierre. Et on est à combien sur les enchères? 3500. 3500 euros qui ont été proposés par qui? Par moi pour l'instant. Par toi pour l'instant, personne ne dit mieux pour le moment. Amis téléspectateurs. Combien? 3500 euros. Non, 3600 euros. C'est bien. 4000, on est à 4000 ici. Il a plus la main, on est à 4000 ici. 4100 euros. 4500. Okay. 4500, on va en rester là. Je reviens samedi prochain. Okay. On va en rester là. 4500 euros. Ça fait beaucoup... monter de 1000 euros. Bravo. C'est ouais. Beaucoup d'argent. Allez, j'arrondis à 5000. Non, arrête, Laurent. Mais attends, peut-être que quelqu'un va faire une enchère. Tu vas être obligé de faire des émissions sur TF1 après. Mais refaire un film. Je vais me rembourser. D'accord. Bien. Laurent, c'était tout le monde en parle? Non, il faut la refaire. Il faut refaire l'amiral. Ah oui, et faut refaire l'amiral. Tout Djibril. Ah oui, d'accord. Bon, on va recommencer ton interview là. Ah, sérieux? Ouais. Ah, c'est vrai? C'était Tout le monde en parle avec Laurent Baffy, Monica Bellucci, Frédéric Schoendorfer, agent secret de Frédéric Schoendorfer, sorti le 31 mars, film d'ouverture du Festival du film de Paris, au Marignan. George Michael, son album s'appelle Patience. Fabrice Tiozzo, merci d'avoir été avec nous, champion du monde! Virginie Desarnaud, nouveau talent 2004 au 19e Festival du film de Paris du 29 mars au 6 avril, toujours au Gaumont-Marignan. Et puis, comme une image, à la rentrée de septembre, le film d'Agnès Jaoui. Marie-Ange Nardi, millionnaire du lundi au vendredi à 12h55 sur France 2. Et puis TV5 avec Frédéric Mitterrand, Dominique Dessaigne, Tout pour être heureux, édité chez Plon. Titop, L'Incruste de Corentin Julius et Alexandre Castagnetti avec Titoff, Frédéric Dufental, Joël Félix, Agnès Soral et Zinedine Zoualem. Sorti le 31 mars et la BO de L'Incruste. Plus Titoff en tournée dans toute la France, bien sûr, toujours. Allez le voir. Djibril Cissé, merci d'avoir été avec nous. Alain Minc, Les Prophètes du Bonheur chez Grasset. Ça sort le 30 mars, voilà. Toura Tchouli, Brisé chez Michel Lafon. Le blind test de DJ Jairo. Son album s'appelle Axia Ridim. Et ça sort le 15 avril. DJ
Michel Hiron, voilà. Reporters sans frontières, vente de charité de montres à des prix exceptionnels. Les 2 et 3 avril au Carrousel du Louvre, de 10h à 19h, au profit de Reporters sans frontières. Voilà, c'était Tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.